Ce soir, c'est la grande finale de MasterChef 2022. Après plusieurs semaines d'épreuves captivantes avec les plus grands chefs de France et suite à la naissance du bébé de Samira... Il est trop beau. C'est plus beau les cadeaux, ça. Ils ne sont plus que 3 cuisiniers amateurs, 3 finalistes, 2 épreuves et un seul gagnant du titre de MasterChef. Là, c'est chaud, chaud, chaud de ouf. Marc Amori et Zachary vont s'affronter pour tenter de gagner la 2e place au grand banquet et défier Clara, déjà qualifiée. C'est le match de ma vie, il y a 100 000 euros à aller chercher. Et voilà, c'est maintenant, quoi. Je suis un peu ému. On est sur la finale, donc c'est vraiment la dernière soirée où je cuisine à MasterChef. Là, il n'y a pas le droit à l'erreur. La finale de MasterChef se terminera en apothéose avec le grand banquet. Les anciens candidats de cette saison viendront épauler les 2 derniers finalistes. C'est parti. Okay, ça marche. Allez. On est motivés, on est chaud, on va tous ensemble jusqu'au bout. Pour présenter leur grand banquet à 12 stars de la gastronomie française. Wow. Tu vois que là, il y a une âme de cuisinier, parce que c'est des amateurs, et arriver à maîtriser ce goût, cette puissance, eh ben, c'est pas donné à tout le monde. C'est très bien exécuté, c'est très bon, je me régale. Ça, c'est digne d'un très bon restaurant. Alors, qui de Clara, Zachary ou Marc Amori remportera le titre de MasterChef 2022, ainsi que la somme de 100 000 euros? Bienvenue dans l'atelier MasterChef pour cette grande finale. Clara est d'ores et déjà sélectionnée pour le grand face-à-face. Mais Marc Amori et Zachary sont là aussi. Ils doivent s'affronter pour espérer et se mesurer à Clara tout à l'heure. On va les accueillir dans l'atelier. Marc Amori et Zachary. Ils ont changé de look. Ils sont beaux. Tout le monde est bien sapé, bien maquillé. On a les vestes là, c'est un honneur. Énorme fierté d'être là, quoi. On sent qu'on a monté là un étage. On m'a prêté cette veste pour la fin de cette aventure MasterChef, donc je vais en prendre soin, je vais lui faire honneur. Zachary, Marc Amori, Clara, vous rendez compte? C'est la finale de MasterChef. C'est l'aboutissement d'années de livres de cuisine qu'on a feuilletés, on a essayé de faire les recettes, parfois c'était réussi, parfois c'était raté. En tout cas, à chaque fois que vous apportiez quelque chose sur la table, on vous disait « Mais c'est un truc de dingue, mais tu cuisines super bien !» Et là, vous êtes dans la finale de MasterChef. Comment vous sentez-vous tous les deux? Plutôt en pleine forme, j'ai hâte d'aller rejoindre Clara pour la finale. Ah, la compétition! Ah bah, c'est la compète, là. Je n'ai pas envie que Zachary me prenne cette place en finale. Je vais tout faire pour le battre ce soir. Avec bienveillance et respect et amitié, mais il y en aura qu'un qui passera ce soir. Et Zachary, te laisse pas faire, hein? Non, pas du tout, hein. Je suis très content d'être là, je suis très content d'être arrivé en finale, et puis on va rien lâcher jusqu'au bout. C'est bien. Là, c'est le kiff, c'est juste, je vais kiffer, quoi. Je me dis, Zach, tu le vivras pas 8000 fois dans ta vie, quoi, t'es en finale. Marc Amori, je ne l'ai jamais battu, et si à un moment je dois le battre, ce sera ce soir, quoi. Chef, qu'est-ce qu'on peut dire à nos candidats? Peut-être que la chose la plus importante, et qui va être indispensable, c'est que vous preniez du plaisir. Oui. Faut tout lâcher. Parce que si vous en sortez frustré, c'est le pire. Faut que ça reste un souvenir inoubliable. Et le souvenir inoubliable, c'est le plaisir de cuisiner, le plaisir d'être là. 100 000 euros à la fin de cette soirée. Qui de vous deux va affronter Clara? Et quelle épreuve allez-vous faire? Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous avez concocté pour nos candidats? Si je vous dis langouste de Méditerranée, homard de Bretagne, turbo des côtes atlantiques. On a la chance d'avoir un marché, une épicerie de produits d'exception, de produits qui ont fait et qui continuent à faire la haute gastronomie française. Des produits qui sont tellement beaux, tellement délicats, qu'il ne faut pas dénaturer, qu'il faut sublimer. Là, on a de l'exception. Et c'est des produits qu'on ne travaille pas tous les jours. Alors quand on les a, il faut en profiter. Travailler un produit noble en 2 heures, alors là, moi, je me dis, oh là là, je suis loin de mes tomates, de mes poivrons. Et je vois, le homard, il bouge. Je suis là, genre, gars, c'est quoi ça? Et je me dis, mais tu vas faire quoi? Alors, Thierry Marx, il y a une petite spécificité qui a son importance pour cette épreuve. On a beaucoup parlé d'environnement. L'eau utilisée dans votre cuisine doit être mesurée, comptabilisée. Cuire 3 asperges dans 10 litres d'eau, c'est devenu
indécent. Donc il y a une vraie contrainte dans cette épreuve, c'est d'utiliser 3 litres d'eau grand maximum. Cette contrainte, j'y serai très très attentif parce que là, on enverra un très grand message sur ce que doit être une cuisine à impact environnemental. C'est une bonne contrainte parce que ça pose des problématiques de responsabilité écologique et il nous a juste remis un peu dans le droit chemin de la responsabilité écologique d'un cuisinier, ce que j'ai trouvé absolument fabuleux. Zachary, Marc Amori, vous allez avoir 2 heures pour réaliser un plat d'exception avec des produits d'exception et seulement 3 litres d'eau, pas un millilitre de plus. Vous êtes prêts? Prêt. Allez. Top épreuve, bonne chance. Allez, bon courage. Allez. Les produits nobles, Marc Amori les connaît. Il ne lui faut que très peu de temps pour jeter son dévolu sur la langouste. Zachary, quant à lui, fait appel à tous ses souvenirs pour faire son choix. Je vois un magnifique turbo. Je sais qu'un turbo, ça se cuit sur l'arête et tout. J'ai déjà entendu cette expression 20 fois. Je sais même pas ce que ça veut dire. Je me dis, bon, Zach, à un moment, fais-toi confiance. Pense à Maurice Sacco qui t'a appris à lever des filets de maquereau. Pense à tes cours de biologie où t'as dessiné des truites et tout. Le turbo, je vais le récupérer et je vais le cuire, hein, c'est bon. Si les produits nobles ne posent aucun problème à Marc Amori, l'économie d'eau qu'il doit réaliser pour les cuire peut s'avérer complexe. Je réfléchis à comment je vais pouvoir cuire tout ça. Il faut que je les cuise une par une, pas trop utiliser. J'ai aussi une bisque, donc il va falloir pas mal d'eau. Donc il faut que je prévoie tout ça, oui. En tant qu'ingénieur hydraulique, la contrainte de l'eau, ça me touche énormément. Donc je trouve ça hyper, hyper cool comme épreuve. Là, j'aurai pas de cuisson, je vais pas mouiller à l'eau, je vais pas faire de jus, je pars sur un sabayon. J'aime bien gérer la consommation d'eau, je trouve que c'est aussi hyper important. Donc je suis pas du genre à utiliser de l'eau excessivement. C'est vraiment pas le truc qui me fait peur. 3 litres d'eau, c'est pas évident. Je vais utiliser le moins possible d'eau pour cuire mes langoustes. Je vais les utiliser une à une et je vais récupérer l'eau de cuisson de mes langoustines pour mouiller ma bisque et l'eau de cuisson également de mes morilles pour mouiller ma bisque aussi. Donc en fait, je devrais essayer de m'en sortir avec ça. Si j'avais une grosse casserole d'eau de 5 litres énorme, j'aurais plongé mes 3 langoustes dedans et ça m'aurait pris 5 minutes au lieu de 15. Mais on fait avec les contraintes, c'est le jeu, c'est le thème de l'épreuve, le respect de l'eau. On joue le jeu à fond et voilà. La langouste pour Marc Amori, le turbo pour Zachary et 3 litres d'eau pour chacun de nos 2 cuisiniers amateurs. Il ne leur reste plus qu'à détailler leur recette. Le turbo, ce sera vraiment la star de l'assiette. Il va être condimenté par un petit tartare un peu bien iodé avec du couteau. Là, je suis en train de réaliser un fenouil que je vais rôtir avec de l'huile d'olive généreusement. À côté, je vais faire une salade de fenouil cru que je vais détailler à la mandoline. Et puis voilà, on va tabasser ça, quoi. Bon, Marc Amori. Oui, chef. Langouste bretonne. Langouste cèpe bretonne. Cèpe de Corrèze. Morille de l'Aveyron. Eh ben, dis donc, on va se régaler. Ah bah, je l'espère, chef. Bon, vous voulez un coup de main, un conseil sur quelque chose? Un doute? Alors, j'ai mis déjà 1,5 litre, pas trop, pour cuire langouste, ouais. Une par une. Une fois que c'est cuit, si jamais j'ai de l'écume, je la file pour récupérer dans ouais. La bisque. Et vous allez faire ça comment? Après, décortiquer des beaux médaillons. Donc, je vais ouais. Les rôtir ouais. Une minute chaque queue de langouste. Vous y faites attention, vous savez très bien que si c'est trop cuit, c'est assez caoutchouteux, très facilement. Ensuite, on est sur des morilles, donc pas d'eau, ouais. Bolé, quadrillé, mm-hmm. Pas d'eau. Dernier petit conseil que j'ai à vous donner, c'est des morilles. Faites attention, c'est toxique. Il faut compter minimum de 30 minutes de cuisson. Hein. Autant le cèpe cru, il n'y a aucun problème, que la morille, il faut qu'elle soit cuite. Hein. Et bien cuite, c'est une obligation. Parfait, chef. Bon, ça va ? Entendu. Allez, je vous laisse faire. Ça va, merci. Alors, pour pas intoxiquer le jury, je fais suer mes échalotes, j'y mets les morilles et je les laisse de temps en temps, en les retournant pendant une demi-heure, au chaud dans leur petite poêle. C'est un vrai challenge pour moi parce que je cuisine très peu de produits nobles. Lever des filets de turbo, j'ai jamais fait. Je sais qu'en face, j'ai Marc Amori qui a l'habitude de travailler ce genre de produits. Donc ouais, ça me rassure pas, quoi. Bon, Zachary. Chef. Putain, vous avez pris le produit le plus noble de l'épicerie. Exactement. Turbo. Alors, le turbo, il y a plusieurs façons de le cuire. Soit c'est le cuire en filet, soit ce qu'on appelle sur l'os. On considère que l'arête du turbo, qui est une arête qui est assez solide, donc on considère que c'est un os. Alors, c'est comme si vous cuisiez un morceau de viande, une volaille, accrochée à son coffre. Ok. Alors, vous avez déjà découpé le turbo ou pas? Bah non. Jamais? Jamais. D'accord. Vous voulez un coup de main? Ouais. Donc là, je vais retirer la tête. Bon, après, on va séparer la partie de gauche de celle de droite. Ça va aller, j'ai pas besoin. Après, il faut l'ébarber. Et c'est un ninja, le gars. Il te découpe un poisson. Il fait 2-3 coups de couteau, il n'y a plus rien. Je suis là en mode waouh. Ça me redonne une énergie de ouf.
Il veut quand de bord, merci. La présentation du turbo, il faut que ça présente de ce côté-là. Quand il va être cuit, tu pourras retirer très facilement la peau noire. Ah oui, après cuisson. Alors. Après cuisson, et ça enlèvera très facilement. Okay. Mais tu le présenteras surtout du côté peau blanche, car à la pureté. On colore toujours en premier le côté présentation. Pour la bonne et simple raison, c'est que quand tu vas commencer ta cuisson, ta poêle, elle est pure, elle est propre. Donc la coloration va se caraméliser de façon régulière. Et parce qu'après, quand tu vas le retourner, il y aura déjà des sucs qui seront déposés. Et donc, tu auras une coloration qui sera moins régulière. Okay. Après, c'est un produit d'exception. Qui dit produit d'exception, dit cuisson d'exception. Attention, la cuisson, c'est de plus en plus important. Vous voulez pas rester un peu, chef, s'il vous plaît? Mais en tout cas, merci. Hein. Bon, merci, allez. Chef. Très content parce que j'apprends à lever du turbo avec le chef Cam de bord. Non, mais... c'est du kiff de ouf, donc... Le plaisir en cuisine, c'est ce que prône Yves Candebordes. Zachary, comme Marc Amori, applique l'adage du chef. Oh là là, c'est magnifique, ça. Je sais pas si quand vous voyez ça, ça vous transcende. En tout cas, moi, oui. Je récupère toute l'eau, évidemment. Ça me permet de pouvoir ouvrir la tête, de récupérer le corail et de monter ma bisque avec ce magnifique corail, là, en fait. Une sorte de moelle épinière. Hein. Ça peut s'apparenter un petit peu au foie qu'on peut retrouver dans... le lapin, par exemple, dans lequel on vient terminer la cuisson. Donc ça, c'est absolument superbe. Et ça, je vais pouvoir les concasser. C'est ce qui va me permettre de faire le jeu. C'est le match de ma vie. J'ai rarement rêvé d'avoir une finale de MasterChef entre les bras. J'ai jamais été aussi proche d'être en finale. Et c'est maintenant, quoi. Hein. C'est maintenant. Je pense évidemment à ma famille, ma maman, ma sœur, ma femme, ma fille. Mon but, c'est de rendre tout le monde fier. Un peu trop d'émotion, excuse-moi, désolé. Je suis pas quelqu'un de très émotif, de manière générale, et je pense que c'est ce qui manquait dans ma vie. La cuisine, c'est une passion. C'est quand on se rend compte que la passion peut devenir, possiblement dans quelques années, un projet de vie, un deuxième projet de vie. J'ai toujours dit autour de moi, et tout, mes amis le savent, j'ai toujours dit, je ferai de la cuisine dans ma vie, quoi. Et ben voilà. Allez. Si on part sur le sentimental, moi je suis foutu et je vais arrêter de cuisiner. Hein. Grâce à MasterChef, Marc Amori et Zachary le comprennent, la cuisine est avant tout une source de partage et d'émotion. Je suis un peu ému, on est sur la finale, donc c'est vraiment la dernière soirée où je cuisine à MasterChef. Ça fait bizarre quoi, de se dire que on a commencé, on était 18, là on est 3. Enfin voilà quoi, enfin, je suis hyper fier de mon parcours, donc... J'essaye de m'appliquer, là, de venir ciseler mes herbes. Chers candidats, Marc Amori, Zachary, vous reste une heure. Très bien. Allez, Marc, hein, c'est peut-être la dernière fois qu'on cuisine ici. Hein. Ouais, t'inquiète, on donne tout. Hein. Il reste une heure, je suis à la moitié de l'épreuve. Je suis content, ça avance tranquillement. Allez vous faire dorer la pilule un petit peu, là, vous. L'idée, c'est de bien faire isoler toutes ces carcasses pour que toutes les chairs restent collées dans le fond. Et ensuite, on va venir déglacer pour récupérer les sucs du fond. On va déjà fixer avec du beurre, c'est ce qui va permettre de fixer déjà les goûts. Pas mal de beurre. C'est mouillé au vin blanc, je vais faire réduire tranquillement. Ah, ça commence à bien sentir bon, là, ça c'est cool. Allez, garniture aromatique, poireau, échalote, céleri. Non, je peux mouiller avec le reste de mon eau de cuisson. Mouiller à hauteur, c'est parfait. J'en rajoute un petit peu. Hop, et on va cuire ça 25 minutes. Et ensuite, on va laisser réduire. Là, je vais m'atteler à la partie la plus compliquée de ma recette, cuire le turbo. Alors là, il y a toute mon assiette qui se joue à ce moment précis, donc à aucun moment je bouge de là. Et voilà quoi, qu'est-ce qu'il fait lui là-bas? Marc Amori... Marc Amori en pleine forme. Marc Amori, je sais pas ce qu'il fait là. C'est un dessert peut-être. Je fais un gel au piment, Zach. Marc Amori, lui, c'est de bosser avec tous les produits, donc c'est pour ça qu'il me fait peur. Je vois un peu batailler avec ses langoustines, mais je vois que ça avance, qu'il tombe du taf. Et ouais, donc là je me dis, bon Zach, si tu veux avoir l'espoir de concurrencer Marc, faut que ta cuisson du turbo, elle soit... parfaite. Je sais que le poisson, il va nacrer à 50 degrés, donc du coup, on va travailler avec de la sonde, et puis voilà, quoi, on va y arriver. Là, j'ai une belle coloration, je suis content.
regarde et je contrôle. Je me brûle, mais je m'en fous. Là, ça commence à dorer. Puis, dès que j'estime que c'est parfait, bam, je le retourne. Et là, je vois cette croûte magnifique et je suis trop heureux. Je me dis, putain, yes. On va leur donner un peu d'amour à ces turbos. Je mets deux gousses d'ail que j'ai écrasées, du romarin, du thym. Et là, bam, je viens l'arroser avec du beurre moussant. Et je me dis, mais voilà, là, tu kiffes, Zach. Là, c'est du kiff de ouf. Genre, je suis comme ça, bam, en train d'arroser du turbo. Frère, j'ai jamais cuisiné ça et tout, mais je prends un plaisir de ouf. Bois un peu dans moi. Thierry, tant que je vous tiens. Toute cette saison de Masterchef, on a parlé beaucoup de la cuisson des légumes pour pouvoir préserver les bienfaits, pour pouvoir préserver le goût, le croquant, etc. Quelle est la cuisson idéale sans eau? Alors, c'est assez simple. D'abord, il y a le légume rôti, poêlé. Là, il n'y a vraiment pas besoin d'eau. On démarre à feu doux et on va libérer déjà l'eau du légume dans un peu de matière grasse, par exemple une huile de colza, une huile d'olive, peu importe. Et on va s'appuyer sur l'eau contenue dans le légume. Bien sûr, par moment, ce n'est pas suffisant. Donc, il suffit de mettre un verre d'eau juste à hauteur du légume et de régler ça. Pas plus. Et non, parce qu'un légume, en moyenne, c'est 80% d'eau. En plus, cette eau contenue dans le légume, elle est goûteuse, elle est savoureuse. Et elle est pleine de bienfaits, en plus pleine de vitamines. Pleine de bienfaits. Dans la cuisine, on avait une tendance au gaspillage de l'eau. C'est-à-dire qu'on lavait un kilo de champignons et ça ne nous gênait pas de mettre 30 ou 40 litres d'eau pour laver un kilo de champignons. Oui, c'était l'absurde. Or que nos aînés, qui allaient chercher l'eau au puits, essuyaient les champignons, les brossaient et les cuisinaient. Mmh. Vous voyez que cette espèce de sensation d'abondance de l'eau nous a fait consommer et consumer cette raréfaction de l'eau. Eh bien, nous devons la considérer dans les métiers de la gastronomie. Merci beaucoup, chef. Merci. Thierry Marx, soucieux de l'utilisation de l'eau en cuisine, va vérifier auprès de nos candidats comment ils s'organisent avec 3 litres d'eau. Alors, bonsoir. Que de langoustes, ça va, bonsoir. T'as quasiment utilisé toute l'eau. Oui, presque toute, mais ce qui m'a servi à cuire mes langoustines, j'ai mouillé pour ma bisque. J'ai pas perdu grand-chose, en tout cas en eau. Tu les as bien cuits. Elles sont cuites, je les ferai rôtir, je mettrai un pic à l'intérieur, chef, pour qu'ils restent bien ouais, droits. Mais c'est trop tard. Ah. Il aurait fallu le mettre avant. Parce qu'en général, les langoustes, on les cuit sur plaque. Plaque en bois, on met une petite planchette pour que la queue reste bien à plat, droite, comme ça. Ok. C'est un peu désordonné, là. Je n'ai pas de conseil à te donner, mais un petit coup de propre, d'organisation ouais. Sur ton plan de travail. Là, ça je viens mal. Juste de finir la bise, c'est pour ça que je suis un peu dedans, mais je vais faire propre, chef. Ouais. Allez, tu lâches rien. Ouais, non, je lâche rien, chef. Allez, vas-y. Merci. Déstabilisé par le passage du chef, Marc Amori doit se recentrer. Zachary, pleinement confiant, n'a pas utilisé un centilitre d'eau et multiplie les gestes techniques. Je vais faire un sabayon harissa clémentine. Donc voilà, là, la température, on voit qu'elle monte. Donc là, il faut l'agiter. Il va commencer à devenir mousseux. En fait, l'œuf, il coagule à 64. Donc du coup, là, le but, c'est de le cuire entre 55 et 60 degrés, quoi. Hop. Quand je suis en train de fouetter mon sabayon, là, je me revois avec ma mère à 9 ans ou 10 ans. Je faisais de la béchamel pour mes parents il y a 15 ans. Et maintenant, je me retrouve à envoyer mon meilleur sabayon Clémentine Harissa pour le chef Camp de Bord, le chef Marx et la chef View. Donc, wow. Là, on a quelque chose qui a presque doublé de volume en quantité. Voilà, c'est cool. Voilà, c'est top de ouf. Là, on voit qu'il est cuit. On voit que le fouet, il laisse des traces dans le fond de la casserole. Donc là, mon sabayon, il est cuit. Je le regarde, il est en train de monter un sabayon avec un beau petit geste de huit. Je me dis, oula. On va peut-être falloir faire gaffe parce que Zach, il tape fort, donc je reste concentré, je retourne devant mon plan de travail. Franchement, c'est un délire, c'est trop bon. Ça pique en plus. Oh, on a une belle texture, franchement, je suis très très fier de ça. Là. Marc Amori, Zachary, il vous reste moins de 30 minutes. Très bien. Très bien. Très bien. Sûr? Bah, on n'a pas le choix, Agathe, hein. Et ça, c'est vrai. Je vais monter ma bisque au beurre. Ça va être bien, ça. Hop, et maintenant, le corail. Ça va donner du goût incroyable. Et c'est vraiment un goût de noisette, le corail. C'est dingue. C'est pour ça que j'ai repris le côté noisette dans les champignons. Je goûte quand même la bisque, hein, parce que si c'est pas bon, on est un peu dans l'embarras. Bon. Super salé. Je prends beaucoup de temps pour m'occuper de cette bisque. Je la bichonne, je la fouette, je la passe, je la rectifie en assaisonnement, je la goûte plusieurs fois.
J'en rajoute un petit peu d'eau. Concentré de tomate pour adoucir un petit peu, parce que là, on est assez fort en sel. Comment ça se passe, Zakouné? On est bien ou on n'est pas bien? On est bien. On est bien? Ta ouais, réserve d'eau, on est comment? Ma réserve d'eau, il n'y a rien touché encore? Non, mais moi, il n'y a pas de souci. J'en ai un petit peu mis dans mon sabayon pour avoir une humidité. Bon, mais c'est super. Et moi, je veux que tu donnes tout. Donne mais absolument moi, je donne tout. Je donne tout de ouf. Hein. Mais en fait, ce qui me fait peur, c'est mon concurrent en face. Bah justement, il faut oublier le concurrent. Tu es en compétition qu'avec toi-même. Tu te concentres sur tes cuissons, tu te concentres sur les goûts. Lâche rien, c'est peut-être toi le futur Master Chef. Allez, bon courage, bon courage. Moi, je ne bouge pas. Merci. Allez, à tout à l'heure. C'est trop fort. Il vous reste 10 minutes pile. Putain, ça joue. C'est la première fois que je suis pas en galère pour le dressage d'une assiette. Donc là, faut que j'envoie du lourd sur le dressage. Zakari attaque le dressage de ses assiettes. Marc Amaury, toujours accaparé par sa bisque, accroît son retard. Est-ce qu'on est bon? Oui, oui, c'est bien. La bisque est validée. Je vois que je suis un peu dans le jus quand même, parce que j'ai pris beaucoup de temps pour cette bisque. J'ai pas encore coupé mes médaillons. Je me dis, je vais le faire au dernier moment, mais là, c'est le dernier moment en fait, Marc. Hein, il reste 10 minutes, donc t'as pas d'assiette, t'as pas choisi de ramequin pour la bisque, t'as pas de louche, t'as pas de machin. Couteau bien propre. Là, j'ai avancé mon dressage, mais je commence à avoir un petit coup de pression. Faut faire quelque chose de beau là, j'ai plus le choix. Là, il n'y a pas le droit à l'erreur. Je me suis déjà fait attraper là, pas mal de fois sur mes dressages pas du tout qualitatifs. Putain, ça chaud. Le fenouil, il est appétissant. Je trouve que la cuisson, elle est bien réussie. Il est bien brillant. Les chefs, ils aiment bien les trucs qui brillent. Putain, c'est où mes champis? Merde, j'en ai plus assez. Allez, Marc, hein. La courgette. Il vous reste moins d'une minute. Allez, allez, allez. Dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux. Éloignez-vous de vos plans de travail, s'il vous plaît. Voilà, première épreuve de finale. Terminé. Est-ce que vous avez fini? Oui. Okay. Allez. Oh là là, quelle dinguerie. C'est beau. C'est beau. Quelle dinguerie. L'assiette de Zakari, elle me plaît plus que la mienne visuellement. Elle est fraîche, elle est verte. Il y a ce beau poisson qui trône au milieu. Donc oui, à côté de la mienne, il n'y a pas photo. Visuellement, ça pêche. Waouh, la cuisson du langoustine est clean de ouf. Bravo, mec. Ah, putain. Bon, ben, que le meilleur gagne. Ah ouais. C'est pas le plus beau dressage du siècle, mais je sais que les goûts sont là, en tout cas. Donc voilà, après, c'est les chefs qui décideront à quelle sauce ils veulent manger. En tout cas, moi, je vais essayer de leur faire manger ma bisque de langouste. C'est l'heure de la dégustation. Et pour la première fois, le jury a convié Zakari et Marc Amaury à déguster leur propre réalisation. Prenez place à ma table. Avec plaisir et honneur. C'est l'ultime dégustation. Nos candidats ont tout donné pour cette première épreuve de finale. Ce que je vous propose, c'est d'accueillir Marc Amaury. D'accord. Waouh. Bienvenue, Marc Amaury. C'est impressionnant déjà. Ah, c'est impressionnant, hein. Bonsoir, chef. Moi, souvent, quand je prends place avec mes amis, la famille, mais pas avec trois chefs de renom en face de moi, donc c'est très plaisant et très intimidant. Marc Amaury qui va pouvoir, et c'est inédit, déguster son propre plat, donc se mettre dans les mêmes conditions que vous, et peut-être le défendre. Vous savez, Agathe, on ne déguste pas les plats de la même façon quand on est debout dans nos cuisines que quand on est assis à la table. Tout à fait. C'est une vision totalement différente. Pour se mettre en configuration client. Et ce n'est pas du tout la même vision. Marc Amaury, est-ce que tu peux nous décrire ce que tu as préparé pour les chefs? Quel produit d'exception tu as utilisé? Alors, j'ai choisi la langouste parce que j'aime énormément les produits de la mer. Je n'ai jamais cuisiné de langouste, mais c'est un fruit de mer qui m'a toujours fait envie. Avec des morilles, et à l'intérieur de la fleur de courgette, j'ai farci des bolets. J'ai fait une petite brunoise de langouste et de champignons pour farcir cette fleur de courgette avec un petit peu d'huile de noisette. Alors, moi, j'ai une question à vous poser par rapport à la thématique de l'eau. Oui. Voilà. Est-ce que quand vous avez choisi la langouste, les cèpes, les morilles, c'est des produits, les trois,
où l'eau quand même a une vraie importance. Ça a été un défi, mais il m'en restait quasiment presque un litre. Je me suis servi en fait de tous les fonds des cuissons pour alimenter ma bisque et pour avoir tout à l'intérieur de cette bisque un maximum de goût. Marc Amaury, je ne vais pas vous demander ce que vous pensez de votre dressage, mais en revanche, ça m'intéresse d'avoir l'avis de Georgiana View. C'est clair, c'est net, on sait qu'on va manger de la langouste, des morilles et une fleur de courgette farcie. Il n'y a pas de fioritures, on est que sur du produit. Voilà, c'est un choix, je respecte. Et je n'aurais pas forcément dit que c'était votre assiette, Marc Amaury. J'ai trop travaillé la bisque et j'ai eu 5-6 minutes de dressage. Donc, c'est vrai que les champignons, j'avoue que ce n'est pas dressé comme j'aurais voulu. D'accord. Bon. Cher chef Candebord. Mais moi, j'ai mis la bisque dans l'assiette parce que je pense que c'est un choix de Marc Amaury d'avoir dressé sur une assiette blanche. On ne peut pas dire que c'est un dressage où il y a une réflexion artistique, mais le produit est en valeur. Et quand on travaille des produits tels que la langouste, mais moi, je suis partisan de retrouver ma langouste. La fleur de courgette fait du bien parce qu'elle amène un peu de soleil dans l'assiette. Et on a cette bisque voilà, qui vient faire la liaison des différents produits qui sont déposés dans l'assiette. Donc, je trouve que c'est une assiette élégante. Chef Marx. J'ai fait la même opération. J'ai amené cette orangée au fond de l'assiette pour révéler un petit peu le tout. J'évite de critiquer les dressages, ce sont des partis pris, ils n'ont rien d'illégitime. C'est le parti pris de dressage. Vous savez quoi, goûter. N'oubliez pas les Marc Amaury. Alors, le chef Yves Candebord dit que c'est très différent de déguster dans sa cuisine et de déguster à table. Donc tu vas peut-être découvrir ton plat dans ses qualités, dans ses défauts. On n'a pas l'occasion souvent de manger, surtout si bien accompagné à table. C'est assez intimidant, je dois vous avouer. Moi, je passe un bon moment. Donc, est-ce que tu trouves que tout est parfait ou est-ce que tu vois quelques petites imperfections? Moi, je suis content de la cuisson de la langouste. Et là où je suis assez content, c'est de retrouver le goût de la noisette à l'intérieur de cette fleur. Ça me plaît. Alors oui, le dressage, c'est sûr que ça pêche un peu. Mais sur les goûts, moi, j'aime cette bisque. Yves Candebord, alors, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de la dégustation? Je pense que Marc Amaury s'est attaqué à une cuisine très classique. Et je trouve que c'est un vrai exercice très délicat de s'attaquer à cette cuisine-là qui est la fondation de notre cuisine, la gastronomie française, fière descendante d'Escoffier. Oui. Voilà. Et pour faire une cuisine comme ça, il faut être précis. On n'a pas le droit à l'erreur parce qu'il y a de la référence. Oui. Donc la cuisson d'une langouste, elle doit être parfaite. Et je trouve la vôtre parfaite. Oh, merci. Parce que ce n'est pas facile à cuisiner. Ça me fait très plaisir parce que c'est les livres avec lesquels j'ai appris. Le livre, le grand manuel de la cuisine d'Auguste Escoffier, bah, c'est quelque chose que j'ai à la maison, qui font partie des fondamentaux de la cuisine pour moi. Si on cite Escoffier dans un de mes plats que je peux proposer sur une bisque, c'est tout, moi je peux partir, hein, c'est tout. Hein. Enfin, c'est le pape de la cuisine, c'est le pape de tous les cuisiniers, Auguste Escoffier. Moi je vois pas de défaut. Vous êtes dans un classicisme, une pureté. Vous êtes allé au bout autant dans le dressage que dans le goût, dans la profondeur de l'assiette. Merci, chef. Georgiana. Alors, c'est pas souvent qu'on mange de la langouste, donc merci d'avoir choisi ce produit-là parmi tous ces produits nobles que vous aviez. Enfin, tous me faisaient envie, mais particulièrement celui-ci. Et c'est vrai qu'il a été respecté. Vous avez pris du plaisir, vous nous en avez donné. En tout cas, vous m'en avez donné. Et j'ai envie de dire bravo. Thierry Marc, vous êtes d'accord? Alors oui, précision de la cuisson de la langouste. Parfait. D'avoir joué les champignons presque mi-cuits qui nous fait ce rappel à la terre dans ce plat, c'est extrêmement intéressant. Pour moi, c'est un bon plat. Vous avez fait une belle épreuve. C'est une jolie assiette. Merci Marc Amaury. Merci beaucoup en tout cas. On a été ravis de t'avoir à cette table. J'étais ravi de partager un moment à goût aussi intime. Merci beaucoup chef, c'est un vrai plaisir. Après Marc Amaury, c'est au tour de Zachary de s'installer à la table de dégustation. Zachary va nous rejoindre à cette table de dégustation pour la première fois dans MasterChef. On me retrouve à table avec les chefs, je suis tout petit quoi. J'ai l'impression que je fais 1m10, je suis là genre... Vraiment, je suis pas à l'aise. Je sais juste qu'il faut pas mettre les coudes sur la table. Et du coup, genre, je suis pas du tout serein, quoi. Zachary, alors qu'est-ce que tu as préparé pour les chefs? Alors, j'ai préparé un turbo cuit sur l'arête que le chef Candebord m'a gentiment appris à lever.
À côté, vous avez un petit tartare iodé à base de couteau, d'herbes fraîches, d'échalotes, de citron et de zeste de kombawa. Ensuite, j'ai fait rôtir du fenouil, le corps gras était de l'huile d'olive. Et enfin, pour accompagner tout ça, j'ai fait un sabayon que j'ai assaisonné avec du jus de clémentine et de harissa. Ah. Parce que quand même, fallait bien en mettre un moment. Parce que c'est Zach, quoi. Ah bah là, franchement, c'est la finale. Si on ne retrouvait pas la harissa de Zach... C'est important d'avoir son identité et de la mettre en valeur. Pour vous, quand même, la contrainte des 3 litres d'eau, ça va, vous avez bien géré. Non, mais moi, il n'y a pas de souci. J'ai pas utilisé l'eau. J'en ai un petit peu mis dans mon sabayon pour avoir une humidité. Vous avez bien géré, donc tout va bien. Alors, moi, je voudrais vous entendre déjà sur le dressage. Thierry. On a quelque chose qui, à l'œil, est gourmand. La saveur, ça change tout quand on cuit sur l'arête. Et c'est très agréable. Après, c'est une assiette assez aérée et qui est engageante. Les 3 éléments que nous avons dans l'assiette nous donnent envie de les goûter. Donc, c'est plutôt bon signe. Alors, Georgiana. Écoutez, moi, j'aime beaucoup cette assiette. Je crois que c'est une des plus belles de Zach. Merci. Zachary, pardon. Il ne faut pas oublier qu'on est en finale. Donc, j'avais un peu peur pour lui sur le dressage. Et je suis plutôt fière. C'est sobre, c'est efficace. Ça ressemble à Zach, mais c'est encore plus en finesse et en élégance que ce qu'il a l'habitude de nous présenter. Donc, je suis très contente. Bravo. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Chef Camp de Bord. Je trouve que c'est une assiette cuisinée. Mmh. Voilà, c'est la première réaction quand je la vois. On sent qu'il y a eu vraiment l'acte d'un cuisinier qui s'est appliqué. La coloration de la peau blanche du turbo, elle est parfaite. Voilà. Et rien que ça, déjà, ça met une valeur professionnelle. C'est beau. Profitez que vous êtes avec nous à table. Oui, oui. C'est un plaisir. Je n'ai jamais mangé de turbo de toute ma vie. Donc, c'est vrai. Ouais, j'ai hâte de savoir. Alors, fais un vœu et on se demande bien lequel ça va être. Je me sens tout petit à cette table, mais je suis très content de partager ce moment, en tout cas. Ouais, écoute, profite. Zachary, il n'y a pas quelque chose qui te choque à cette table? Moi? Ah, c'est toi qui te choque? Ah non, vous qui n'avez pas d'assiette. Merci, la voix de la raison. Dès que tu es prêt, tu nous dis, Zachary, ce que tu penses de ta propre assiette. Parce que ça m'intéresse ce que dit le chef Camp de Bord sur le fait que quand vous goûtez en cuisine, c'est pas la même chose que quand vous goûtez assis à une table. Est-ce que tu trouves du goût? Est-ce que tu trouves ça bien assaisonné? Je pense qu'il y a un léger petit, peut-être un petit manque de sel sur l'ensemble, j'ai envie de dire. Mais c'est bon, quoi. Je pensais pas que ce serait aussi bon. Franchement, moi, j'aime bien, donc ça me donne le sourire. Vraiment, je me retiens un peu parce que, voilà, me dit, fais genre, c'est normal. J'ai déjà fait des trucs bons, mais dans mon délire de un peu street food et tout, là, je fais quelque chose de fin. C'est vraiment bon. Genre, c'est vraiment très bon, quoi. La cuisson du poisson, elle est quand même bien réussie. Elle est remarquable, même. Alors, Yves. La cuisson du turbo, il n'y a vraiment rien à dire. Le couteau aussi me plaît, ça amène une vraie fraîcheur iodée. La petite déclinaison de fenouil est fort agréable. Après, moi, je mets un vrai bémol sur la sauce. Et j'aime quand c'est qu'il y a un côté un peu piquant, relevé. Mais là, pour moi, c'est une sauce qui prend le pas sur l'ensemble de la préparation. Le turbo est un produit d'exception. Mais c'est le turbo, le poisson roi. Donc, il est très délicat. Et là, votre sauce, qui est très bien faite, qui est très, très bonne, elle l'écrase, oui, la oui. saveur de turbo, plutôt que, voilà, de le mettre en valeur, quoi, de la révéler. C'est le seul défaut que je trouve à votre assiette. OK. Putain d'harissa, ouais, non, ça me rend ouf. Alors là, j'avoue que quand je goûte le turbo, je pensais pas que c'était si bon. Pourquoi tu m'as pas foutu juste du jus de clémentine dans ce sabayon, quoi? Là, j'aurais fait l'unanimité. Ce poisson, il est remarquablement cuit. C'est une cuisson rosée à l'arête parfaite parce que la chair du poisson est dans toute sa saveur et on a vraiment le produit d'exception respecté. La garniture de légumes, très bien. Le tartare de couteau, il y a eu quelques erreurs à ne pas commettre. C'est de couper l'échalote très finement. Sinon, l'échalote coupée trop grossièrement, bien, elle est amère, on la mâche, elle est indigeste. C'est dommage, une petite erreur, mais... Quand même, moi, je veux saluer le travail parce que c'est pas évident. D'abord, je vais même être très honnête, je pensais pas que Zachary arriverait jusque-là. Donc, ce qui m'a beaucoup plu dans ce plat est aussi de voir toute la progression de Zachary. Ce garçon, c'est un buvard. Et là, on a une finalité qui est quand même très intéressante. Georgiana View, est-ce que vous êtes d'accord avec vos confrères? Déjà, moi, j'ai envie de faire un bisou à Zachary. Je sais pas si j'ai le droit. Voilà, parce que je suis super contente de lui. J'ai un peu mon fils, en fait, pendant tout ce concours. J'ai été très dure avec lui par moments. Et là, je suis fière comme une maman serait fière de voir son fils en finale.
Il connaissait pas le turbo, il en avait jamais mangé, il en avait jamais travaillé. Yves a eu la gentillesse de l'aider à le portionner, mais en réalité, il fallait quand même maîtriser cette cuisson-là. Ce qu'il a parfaitement réussi, donc ça, c'est juste brillant et qui souligne le fait qu'il mérite cette place en finale. Donc voilà, tu peux être fier de toi. Merci beaucoup. C'est un très beau travail. Ouais. Technique de cuisinier, Zachary. Tu te rends compte qui te dit ça? Ouais. Je suis content d'avoir mangé ma première fois du turbo avec vous, les chefs. Vraiment, nous aussi, on est content d'avoir partagé ça avec toi. Allez. Merci à vous. Merci, Zachary. Merci, Zachary. Bonne dégustation. Merci, Zachary. Très belle prestation. Merci beaucoup. Quelle mignonnerie, c'est pas ouais, mais c'est surtout, il écoute quand même beaucoup. Hein. Mm. Ah oui, oui, il écoute. Il écoute énormément. Sent, ouais. Il y a certains candidats, quand on leur disait quelque chose, bon, ils continuaient à faire ce qu'ils voulaient. Zachary, le turbo, il connaissait rien. Il a quand même écouté et il a fait exactement ce qui a été dit. Il a la curiosité. Moi, très honnêtement, au final, je ne vais pas chercher un turbo, quoi, si j'en ai jamais fait. Ouais, c'est clair. Gamins, c'est là où il fixe des défis tout le temps. Il est marrant pour ça. Le gamin, il se met un défi. Là, aujourd'hui, il nous sort un plat de cuisinier. J'ai quand même un coup de cœur avec cette progression. C'est vrai. Il est capable de nous faire un turbo. Ouais, je suis d'accord. Je ne suis pas capable de le faire mieux que lui en point de vue de cuisson. Ça avance. Bah oui, bien sûr. Si on se focalise sur les deux assiettes, chez Zachary, on peut trouver un ou deux défauts. Oui. Mais c'est des défauts de... De Minot. Ben oui, qu'on aime presque. Le plat de Marc Amori, c'est plus attendu. Je ne m'attendais pas à l'assiette de Zachary. Donc l'assiette de Zachary me. Oui, mais est-ce qu'on ne dit pas souvent, quand on a quelque chose d'attendu, que du coup, c'est là où c'est le plus compliqué pour séduire? Donc, ouais, voilà, mais moi, j'aime la progression. J'aime que ça avance. J'entends, mais quand tu manges, tu n'es pas déçu. Je ne suis pas déçu, mais là, Zachary, je suis surpris. C'est et tout après, toute la différence qu'il y a. Est-ce que Zachary, il a encore la force? Et pourquoi il s'arrêterait? Il a l'âge pour le faire. C'est vrai. Bon, oh là là, ouais. Je sens que ça va être long. Délibération difficile pour notre jury. L'audace et la fougue de Zachary vont-elles payer? Le classicisme parfaitement maîtrisé de Marc Amori sera-t-il à la hauteur? Qui de nos deux candidats va rejoindre Clara pour l'épreuve finale? C'est toujours un moment très intense, un moment où on sait qu'on va devoir se séparer d'un de nos candidats, c'est le cas depuis la première émission, on commence à s'y faire, enfin non, en fait, on s'y fait non, pas on du s'y tout. Fait jamais à ça. Thierry Marx, est-ce que vous pouvez nous parler de cette épreuve? Première épreuve de finale, je vais être très franc, j'ai retrouvé tout ce que j'aime depuis des années dans ce métier. La maîtrise d'un geste, le respect du produit, le respect d'un plan de travail, l'engagement, cette force qu'il faut pour engager du travail au pied du fourneau, parce que là, on ne peut pas tricher, pour délivrer un travail, je dois le dire, d'exception. Des recettes abouties, riches en saveurs, riches en histoire de ce métier et qui nous donnent de l'émotion. Toutes mes félicitations, l'artisanat reconnaît dans des hommes comme vous cette capacité à être comme nous, des artisans. C'est ça qui est extraordinaire. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Georgiana, on ne va pas y aller par quatre chemins. Qui de Zachary ou de Marc Amori va affronter Clara pour l'ultime épreuve de cette finale, l'ultime épreuve de ce Masterchef? Ils n'ont pas porté ces vestes pour rien ce soir. Voilà, ils ont honoré ces vestes et je les en remercie. Donc ce soir, celui qui va rejoindre Clara pour l'ultime épreuve de cette finale de Masterchef est un garçon. Et ce garçon, c'est Marc Amori. Marc Amori, c'était très bon, c'était très abouti. Bravo, vous pouvez rejoindre Clara. Viens me rejoindre, Marc Amori. Avant de l'affronter dans quelques instants. Bien, alors, Yves, qu'est-ce qu'on peut dire du parcours de Zachary? Alors, je me suis promis de ne pas avoir les trémolos. Et pour le faire, je vais rigoler. Je vais sourire, parce que je pense que vous avez gagné. Je pense que vous êtes l'un des vainqueurs de Masterchef. Pourquoi je dis ça, Zachary? Je vais vous rappeler une ratatouille ménagère. Le 3 étoiles du snack. On est passé de la ménagère à l'adolescent. Un potiron avec un crémeux dessus de Roquefort et un jus terreux de betterave. Peut-être c'est le mariage de serveur dont je me souviendrai le plus. Et pour finir, un turbo cuit à la perfection. On se le disait avec Thierry, on n'est pas sûr
que pour la cuisson, on fasse mieux. Putain, bravo, Zach. Cette progression, Zachary, elle est fabuleuse. Il faut continuer à toutes les dégustations. Il se passait quelque chose, des imperfections. Mais vous nous repreniez systématiquement. Vous nous remettiez dans le droit chemin de l'émotion du goût. Et ça, c'est pas facile à faire, Zachary. C'est pour ça que t'as gagné. Merci. Vous faites partie de ces candidats qui avaient ce talent de savoir écouter. Écouter et vous approprier les choses. Je sais pas ce que vous avez dans la tête. Je sais pas qu'est-ce que vous projetez dans votre vie. Moi, ce que je ressens et ce que nous ressentons, c'est que si vous vous passionnez pour ce travail de la cuisine, vous avez un talent et vous y avez toute votre place. Merci en tout cas pour votre prestation, elle était magnifique. Georgiana, un mot pour Zachary. Alors juste un, bravo. Moi j'ai pas envie de pleurer Agathe, donc du coup je vais pas trop m'étendre et bravo, bravo pour cette progression. Voilà, je suis contente d'avoir rencontré ça. Ça y est. Ça y est, moi aussi. Non, mais c'est cool. Enfin, c'est cool. Voilà, comme il dit, c'est cool. Je vais l'embrasser. Allez-y. Oh, ça y est, c'est parti. Ah, merci. Salut. Bon vent, que vous dire, c'est un candidat attachant, comme vous pourrez, comme vous, chez vous, vous le ressentez, et nous, ici, dans l'atelier Masterchef. Zachary, le parcours. Bah, je suis hyper fier d'être arrivé jusqu'ici, parce que moi aussi, quand je suis rentré, j'avais pas du tout la confiance en moi de me dire que je pouvais prétendre à arriver aussi loin dans le concours. Grâce à ce concours, j'ai appris énormément en si peu de temps, c'est ouf. Je voulais me prouver avant tout que moi aussi, j'avais ma place dans ce milieu, parce que j'ai toujours un peu rêvé de devenir chef un jour. Donc j'espère qu'un jour, vous viendrez manger dans mon restaurant. Bah oui, c'est certain. Bah, sinon, on aurait trop le seum. Hein. Mais merci, quoi. Je suis trop content. Là, j'ai pas l'air content, mais en vrai, je suis vraiment content. En plus, je suis malade, donc je parle trop bizarre, mais... Ouais. Au moins, ça m'aura montré que je peux persévérer dans ce milieu-là. Et puis voilà, quoi, c'est ouf. Marc, Amaury, Clara, bravo. C'est vous qui allez participer à l'ultime épreuve de ce Masterchef, le banquet final. C'est tout de suite. La dernière épreuve, la voici. Et elle va être disputée par Marc, Amaury et Clara, qu'on accueille tout de suite. D'ores et déjà, bravo. C'était votre objectif, finalement, d'être en finale pour ce grand face-à-face. Ça va donc être l'épreuve du grand banquet. Vous allez cuisiner pour 12 convives, une entrée, un plat et un dessert. Les chefs vous l'ont répété pendant toute cette saison de Masterchef. Ce qui fait la différence entre les cuisiniers amateurs formidables que vous êtes et les professionnels, c'est peut-être le nombre d'assiettes à sortir. Donc je sais que ça vous stresse, mais vous ne serez pas seul, puisque vous allez avoir avec vous des commis. Et pas n'importe quel commis, on va les accueillir tout de suite. Ah, on est très fiers de revoir Vincent, Jean, Déborah, Alice, Emmanuel, Dao, Zachary et Jean-François, de très très bons cuisiniers. Comment vous vous les êtes répartis, Clara? On a fait un tirage au sort avec Marc. Équitable jusqu'au bout. Voilà, très très bien. Alors avant de démarrer cette ultime épreuve de Masterchef, il y a une candidate qui ne va pas pouvoir cuisiner aujourd'hui, mais qu'on avait très très envie de saluer et de voir. On va accueillir Samira, vous en doutez. Oh, Tichot. Il était trop attiré par la cuisine de maman, il a voulu venir un peu plus tôt que prévu. Je pense, c'est ça. Alors comment il s'appelle ce petit chou? Ahmed, donc il porte le nom de mon père, décédé il n'y a pas très longtemps. Mmh. Voilà. Donc c'est une très belle histoire. Évidemment, on a tous un pincement au cœur parce qu'on sait qu'avec le niveau de cuisine que tu as, tu aurais pu très bien être à la place de Marc Amaury ou de Clara. C'est sans regret, le principal il est là. Donc, Bien sûr. Merci Samira. Merci. Et bravo à tout ce que tu as fait. Bravo à vous deux. Bravo. Merci de passer. Merci avec plaisir. Ah, trop d'émotion. L'émotion, évidemment, c'est ce que vous attendez, j'imagine, chef. Avant tout, il vous reste quelques heures à cuisiner ici.
sachez en profiter. C'est peut-être la première fois que vous rentrez vraiment dans ce métier. Vous allez travailler en brigade. Vous êtes deux chefs d'équipe. Alors, je vais vous dire une phrase que je répète tout le temps dans mes cuisines, c'est que tout seul, je vais très vite. Mais ensemble, on va loin. Et c'est peut-être ça qu'il faut comprendre. Il faut une bonne osmose. C'est ça, un chef d'équipe. C'est-à-dire que là, vous allez vivre ce qu'il y a de plus difficile dans notre univers de professionnel. Aujourd'hui, il va falloir savoir faire, mais savoir faire faire. Ce que vous voulez, c'est vos assiettes qui seront évaluées. Donc ça, c'est pas facile. Et vous avez tout mon soutien, et haut et fort. Les épreuves en équipe, ils en ont fait quelques-unes, mais celle-ci, elle est différente. Eux, ils sont là pour vous aider, donc c'est à vous de les driver, c'est à vous de les motiver pour qu'ils aient la même énergie, la même force que vous pour aller chercher ce trophée. Voilà, il va falloir bien s'organiser, bien répartir les rôles, et après, que le meilleur gagne, comme à chaque fois. Il y a, je vous le rappelle, 100 000 euros en jeu, de quoi vous aider peut-être à changer de vie. Ce trophée qui est devant vous, qui sera tout à l'heure dans les bras de Clara ou de Marc Amaury. Alors, comme évidemment, c'est un exercice qui est un petit peu nouveau pour vous. Vous n'allez pas être seul, vous allez être coaché de palaces en établissements mythiques, de récompenses en étoiles, de Paris à Tokyo. C'est un des plus grands chefs de sa génération. Il a été partout. Il est aujourd'hui à la tête de la plus grande école de cuisine de France. Je vous demande de l'accueillir tout de suite. Voici Éric Briffard. Bonjour, chef. Chef Briffard, qu'est-ce qu'on peut conseiller à nos deux cuisiniers amateurs qui vont avoir leur premier coup de feu ? Alors, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est donner votre cœur. Vous êtes arrivé ici pas par hasard. La base même de nos métiers, c'est déjà d'offrir aux autres. Alors, on va vous laisser donc démarrer l'épreuve. Soyez à la hauteur du chef Briffard, de son école Cordon Bleu. On compte sur vous pour impressionner le chef qui ne vous connaît pas encore, pour impressionner les chefs qui vous connaissent et les convives que vous découvrirez tout à l'heure. 100 000 euros en jeu, le trophée Masterchef au bout de cette épreuve. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Vous allez pouvoir vous installer sur vos plans de travail. Pour l'entrée, le plat et le dessert de nos 12 convives, top ! Allez. C'est parti pour 4 heures d'épreuve. Marc Amaury et Clara, chacun à la tête de leur brigade, vont devoir cuisiner une entrée, un plat et un dessert pour 13 convives de prestige, 12 stars de la gastronomie et Agathe qui va enfin pouvoir déguster elle aussi. Chacun de son côté a imaginé un menu qui lui ressemble. Clara et Marc Amaury vont devoir diriger leurs équipes et respecter les horaires imposés par le service. Dans 2 heures, l'entrée devra être servie. La tension est là, mais nos deux finalistes restent concentrés et sont prêts pour le brief aux équipes. Les gars, vous venez, je vous explique rapidement. Dao est sur les desserts exclusivement tarte citron meringuée déstructurée. En confiant le dessert à Dao, notre scientifique qui avait étonné le jury avec ses pâtes carbonara entièrement composées d'œufs. Franchement, entre nous, c'est vraiment bon. Merci beaucoup, chef. Marc Amaury sait qu'il met toutes les chances de son côté. En entrée, langoustine. Ici, on a un cercle de dressage avec notre tartare de langoustine. À côté de ça, on a un petit récipient avec la bisque à l'intérieur qui viendra napper l'intérieur de notre jus. Zach, taille des légumes, surtout. Voilà, on décortique les langoustines, on débarrasse les queues dans un saladier qui va nous permettre de faire le tartare après. Un tartare de langoustine agrémenté d'un gel d'agrumes, c'est le choix fait par Marc Amaury pour son entrée. Pédagogue et confiant, il distribue sereinement les rôles à chacun de ses coéquipiers. Tu les prends dans ta main, un petit coup, tac, ça casse les anneaux, et ensuite ça s'ouvre tout seul. Ok, okay. Casse les anneaux. Ah oui, on appuie, voilà. On appuie sur la pince là, normalement. Ouais. Voilà. Les langoustines, on va sentir le poisson toute la journée. C'est pas grave, ça sent les victoires, tout ça. J'ai l'équipe parfaite. J'avais envie de rebosser avec Jeff. J'ai pas encore bossé avec Manu, donc ça, c'est super. Dao, on a fait aussi une belle équipe en binôme lors d'un dessert. Et Zach, comme il est assez rapide sur la coupe des légumes, il est le commis pour pouvoir détailler les légumes, préparer tout ce qui va permettre de faire la bisque. Je vais être cool, parce que je suis quelqu'un de cool, mais là, il va falloir que tout le monde bosse à l'unisson, en bonne intelligence, comme je dis toujours, donc... Il n'y a pas de raison que ça se passe pas, ça a l'air de bien se passer, c'est en tout cas déjà bien commencé, chacun est à son poste. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour moi.
Allez, et les gars, venez. Okay. Allez, je vous donne vos fiches. Yes. Donc, Déborah, tu commences avec la tuile avec l'entrée. Ensuite, okay, tu passeras sur le détaillage du poisson, sachant que Alice va venir t'aider après. Okay. Alice, tu commences avec la gelée de l'entrée. Et ensuite, tu vas aider Déborah sur le taillage du poisson. Ok, okay. Okay, okay, allez, go. Allez, allez, allez. Là, c'est l'épreuve ultime. Je suis hyper fière que mes copains ils puissent cuisiner mes recettes. C'est génial, quoi. Franchement, j'ai trop de chance. Et je suis très contente de travailler avec cette brigade et je pense que ça va être d'enfer. Mon entrée, c'est l'entrée qui m'a permis de rentrer dans ce concours. Donc, ça va être un ceviche de dorade avec de l'ananas, de l'avocat et puis un leche tigré qui a quand même du corps et une gelée passion piment. Je suis stressée, je parle très vite. Ça va aller, ça va aller. Donc là, je suis en train de presser mes citrons à la main, hein, directement dans le mélange. Je fais pas de pesée, donc c'est vraiment hyper instinctif. T'as la pâte de piment vers toi? Ouais. Tu l'as goûtée? Ça va, elle est pas trop forte, je trouve. Si, elle est forte, hein. Elle est très forte. Ah ouais, moi, je trouve ça va. C'est pour mettre beaucoup, quoi. Non. Contrairement à Marc Amori, Clara cuisine à l'instinct. Elle n'a pas de recette précise, ce qui peut parfois provoquer certaines angoisses. C'est pas l'équilibre parfait là-dedans, mais c'est pas loin. Hop. Alors, ça avance, ça avance. Oh là là. Bonjour. Bonjour Clara. Bonjour chef. Alors Clara, tu en es où là? Et là, je suis en train de faire le leche tigré pour mon ceviche. Du coup, on a fait une bonne quantité, j'essaie de bien citronner et on le mettra au dernier moment. Ça sent bon déjà. Oui, goûtez. On le mettra au dernier moment sur le poisson pour pas qu'il cuise trop. Là, de toute façon, je vais le passer, hein, c'est pas la texture définitive. Bel équilibre. Ouais, ça vous plaît? Mm-hmm. Bien équilibré. Satisfaction pour Clara. Le chef Briffard, meilleur ouvrier de France, reconnu dans le monde entier, apprécie sa préparation. Bonjour, chef. Bonjour. Un petit Bonjour. Conseil. Bonjour, chef. Ah oui, okay. Là, c'est du sable. Là, ça va être dur. C'est le civre. Il faut qu'on les rince à l'eau, non? Si vous en avez, oui. Si vous en avez juste le nombre, effectivement, on fera bien les rincer. On a juste le nombre, je pense. Oui. Voilà, comme ça. Il faut faire attention de ne pas trop les abîmer aussi. C'est vrai qu'elles sont un peu... Oui, elles sont un peu molles, je trouve. Voilà. Tout, mais... Donc, on va regarder ici. On va couper. Le long, ouais. Regardez, vous voyez, ici, on voit le boyau. Donc, il faut venir là, le ramener. Voilà, vous voyez, ça faut enlever là. Oui. Ça, les chefs, ils vont pas apprécier si vous laissez le sable. Hein. Oui. Voilà. Allez, faut y aller. Oui. Merci, chef. Parce qu'après, faut faire la bisque, hein. Faut bien concasser tout ça. Ah bah clairement, le message que nous donne le chef Briffard là quand il passe et qui nous dit ouvrez-les sur la longueur, vérifiez bien que les boyaux aient pas éclaté et tout, c'est que ça va se jouer sur les détails. Et nous, on est là pour faire gagner Marc. On va faire de notre mieux pour ne rien négliger. Tout à fait. Alors qu'Emmanuel et Jean-François sont concentrés sur les langoustines, Clara et Déborah attaquent la fabrication des tuiles de maïs qui apporteront du croquant au ceviche de dorade. La petite farine, ce que tu peux faire, c'est la torréfier un tout petit peu dans une poêle à froid. Tu fais ta pesée et tu torréfies un tout petit peu pour vraiment bien sentir voilà. Les arômes. Ok, ça marche. T'as le temps, donc fais-le. Ok, ça marche. On va faire ça bien. Déborah, elle fait la tuile qui va être dans mon entrée aussi. Et ensuite, elle va être sur tout ce qui est taillage de poisson pour le ceviche. Il faut 150 g de beurre. On va être hyper précis. Comme ça, on est sûr que tout est nickel comme Clara le souhaite. Ça va super. On a la pression parce que nécessairement, c'est pour Clara. Et on a envie de faire le max. C'est vrai que moi, je suis partie au début et j'ai envie de montrer ce que je suis capable de faire et d'aider au maximum Clara. Déborah, elle est super à l'écoute, super réactive, elle est hyper investie. Toujours bien d'avoir quelqu'un qui est hyper à l'écoute comme ça et qui ne sait pas quoi faire pour satisfaire. Donc ça, c'est génial. Dans le ceviche, il faut être le plus précis possible là pour la tuile. Oh, j'ai un gramme de plus. Pas question qu'il y ait une tuile aujourd'hui, hein. C'est la finale, je donne tout. On est une équipe et on va tout défoncer. C'est censé donner quoi comme consistance, ça? Un peu pâteux quand même? Ouais. Ok, d'accord. Vas-y, tu mets tout. Là, normalement, on a bien tout mélangé. Déborah, je sais qu'au début, elle est un peu stressée et tout ça, mais je vais la driver pour que ça se passe bien. Clara? Ouais. Consistance, c'est bon? Ouais. Allez, vas-y. Okay. Étale, perds pas de temps. Allez, go. Ouais, j'étale avec. T'étales à la spatule. Okay. Allez, vas-y, faut enfourner là. Vas-y. Je vais potentiellement perdre un peu de temps, mais c'est aussi mon rôle de chef d'équipe et puis je suis là pour ça. Et de toute façon, ils sont là pour m'aider, donc je peux pas râler. Hein. T'en fais combien de plaques comme ça? Deux. Deux? Ouais. Clara, est-ce que c'est bon, j'enfourne?
Non, non, il en faut plus, ma poulette. Il en faut plus? Bon. Ouais. D'accord, ok. Ouais, peut-être un peu plus, hein, bah, parce que sinon, ça va pas. Ça sert à rien, ça. Hop, là. Ok. Voilà. Ok, bah, je savais pas c'était quoi le dosage. Régulièrement. Ouais, après, les tapoter un peu, ça tient bien. On va... En fait, après, on les brise en mille morceaux, donc... Oui, oui. Ah oui, oui, c'est pour avoir du croustillant. Exactement. Ah oui, d'accord. Parce que dans le ceviche classique, il y a des gros épis de maïs, et donc, du coup, c'est pour rappeler le goût classique. Parfait. Voilà, chef. Pas trop longtemps ouvert, hein. Ouais. Go, go, go. J'y vais. Tu mettras le timer? Ouais. 12 minutes 180. Les deux équipes cuisinent depuis 30 minutes. C'est le moment du point d'étape. Je profite du fait que vous soyez un tout petit peu seul pour faire un petit point route avec vous. Qu'est-ce que vous pensez de nos deux brigades? Est-ce que vous pensez qu'ils se sont bien organisés? Bah oui, je pense que ça démarre très très bien. J'ai vu Clara, j'ai vu Marc Armory et effectivement, je trouve que toutes leurs équipes savent exactement ce qu'ils ont à faire. Donc c'est déjà la base, il faut l'organisation. Donc a priori, pour des amateurs, ce sont des bons chefs de brigade. Tout à fait, on sent qu'il y a quand même... voilà, il y a un peu d'expérience derrière. Il y a de l'expérience. Ok, moi je veux lancer la bisque, tu me dis quand t'es bon. T'as tes carcasses, tu peux lancer. Je peux lancer la bisque, allez. C'est ok. On va tout faire en deux fois parce qu'on a pas mal de volume quand même. Ah, la bisque, c'est pas la première que je fais sur Masterchef, donc on réitère ce qui marche. Et ce qui a marché va de nouveau marcher aujourd'hui. Je peux prendre les carcasses, les gars? Vas-y. Oui, vas-y. Ok. Parfait. La clé de la victoire aujourd'hui, ça va être de ne pas se laisser dépasser par l'émotion, par les événements et de bien organiser. Donc c'est ça pour moi la clé aujourd'hui. Le finaliste a choisi la sécurité en refaisant une bisque de crustacés. Ce choix est-il judicieux? Le jury ne va-t-il pas se lasser? Réponse lors de la dégustation. J'ai quand même fait 3 bisques sur Masterchef. Homard, langouste, langoustine, ce qui est quand même absolument incroyable. Et voilà, celle-ci, je la veux absolument parfaite. La bisque, elle peut enfin réduire. Je vais la mettre sur un plus grand feu. Ouais. Ça, t'as pas besoin de tes carcasses? Non. On est à 17 sur la cuisson. On est à 17 sur la cuisson. Eh ben, on va pas tarder, on va les filtrer parce qu'il faut que ça réduise encore. Tu veux que je te pilonne ça? T'as autre chose à faire? Pilonne ça, ouais. Je vais faire la même chose sur l'autre côté. Il n'y a rien d'autre pour pilonner. Terre, ouais. Si, il y a des rouleaux. Marc, il est tendu. Mais en sa place, je serai en panique. Là, on la sent, la pression de la finale. Hein. C'est clair. Mais c'est du bon stress. C'est vraiment plaisant. Je veux dire que c'est la dernière fois qu'on cuisine sur ce plateau, quand même. C'est clair. Ça fait déjà une heure que vous cuisinez. Attention, il faut sortir les entrées dans une heure, maintenant. Ouah, c'est chaud. Le temps passe très, 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 très vite, là. Wow, c'est très, 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 très chaud aussi quand ça sort du four. Hein. J'ai tout prêt pour la gelée. Du coup, je mélange tous mes trucs et je... T'as déjà mis le piment? J'en ai pas mis beaucoup. Je voulais te faire goûter. Allez, c'est le moment de vérité. Et j'ai pas mis de sel non plus encore. Tu peux. Ouais. Tu peux mettre un petit peu plus de piment, pas beaucoup plus, c'est bien. Ouais, et un petit peu de sel. OK. Alice, c'est quelqu'un avec qui je me suis très bien entendue dans le concours. On a déjà travaillé en duo. Je sais que c'est une super partenaire de travail. Donc je vais me servir de ses capacités, de son talent pour faire une belle assiette. Clara est ravie de compter Alice dans sa brigade. Pourtant, lorsqu'elles ont fait équipe ensemble lors de l'épreuve du monochrome de Frédéric Anton... Ouais, la blanche, ça va être joli. Hein. Mais je pensais pas la mettre, moi, la blanche. Ah bah non, moi je trouve que c'est joli dessus. Ouais, mais si le thème c'est vert, c'est pas grave. Bah moi je pense qu'il faut en mettre un petit peu. Les chefs ont été déstabilisés par leur plat. Qu'est-ce qu'il y a, Yves Candebord, là? Vous avez l'air de râler. Bah ouais, moi je râle, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a du blanc, tout simplement. Il y a du blanc, quoi. On a divers et vert. Est-ce que cette fois, leur collaboration permettra à Clara de bluffer le jury? Clara, je la sens très organisée. Elle n'a pas l'air en panique, plutôt bavarde. Elle sait exactement ce qu'elle veut. Le but, en fait, c'est juste d'exécuter ce qu'elle dit. On n'est pas là pour prouver ce qu'on sait faire. On est juste là pour l'aider. Et... Moi, ce que j'ai en tête, c'est juste que Clara gagne, c'est tout. Alice, c'est peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais quand tu fais bouillir ta préparation, tu attends bien que l'ébullition reprenne pour que ta gelée soit bien prise, ok? Ok. Là, ce qui est compliqué dans mon entrée, c'est l'équilibre des saveurs. La gelée, c'est toujours un enjeu technique. Donc, je fais confiance à Alice, elle me dit qu'elle gère. Et en fait... Vas-y. Après, ça a pas pris du tout? Non. Un peu quand même, hein. Ah non. Pas du tout. Mais je comprends pas. T'as vraiment mis les bonnes quantités d'agar et tout? Oui. D'habitude, ça prend cette affaire, je comprends pas. On essaye 5 minutes et si ça prend pas, on fait ça, d'accord? Attends, je vais chercher les outils. Il faut absolument de la gelée. Hein. Pour l'instant, il s'est rien passé sur la gelée de passion, mais on a peur qu'elle prenne pas. Pourtant, on a bien mis les doses escomptées de gélifiant, agar-agar, etc. Donc si ça a pas pris, il va falloir la recouler et remettre un petit peu plus de doses d'agar-agar.
Ça prend pas. La gelée prend pas. Mais l'avantage de la gelée, c'est que c'est pas raté. On peut la recouler. On peut la recouler et rajouter de l'agar. Je mets une grosse cuillère à soupe. Peut-être pas. On va peser ce qu'on a et on lui met 10%, d'accord? Ok. L'équilibre des saveurs se trouve dans la gelée entre la passion, le piment. C'est vraiment ça qui fait l'identité de mon plat. Si la gelée est pas belle, c'est toute mon entrée qui sera ratée, en fait. Ça avait rebouillé tout à l'heure avec l'agar agar? Bah, ça bouillait tout le long. Ouais, mais tu l'as sorti du feu. T'as pas refait bouillir l'agar? Ouais, c'est ça, c'est pour ça. Là, ça va prendre. Tu fais rebouillir, tu replaques et puis on y va. Hein. Je vais faire l'avocat, les gars, parce qu'on est trop en retard, là. Alice, il y a 10 minutes, elle savait pas qu'elle allait faire une gelée, donc je peux pas lui en vouloir techniquement de rater la gelée. Je m'en veux à moi de pas avoir checké avec elle que l'ébullition avait bien repris, surtout que j'aurais pu le faire, en fait. Ça fait déjà 1h30 que vous cuisinez, donc je pense qu'il faudrait songer à dresser, parce qu'on ne peut pas faire attendre nos convives. Bisque. Il manque de force encore. Fais réduire un peu et rajoute un tour de sel. Il est en train de réduire pas trop de sel. Ouais, mais ta langoustine, elle est pas salée, hein. Et l'acidité, ça supporte super bien le sel. C'est salé quand même, hein. Ouais, après, elle va réduire encore, elle va prendre la force. Rajoute du sel. Ouais, okay. Rajoute un tout petit peu. Pincé, hein. Mais... Ok. Moi, j'écoute. Moi, je sale toujours. J'ai pas tendance à vraiment saler, moi. Mais... Toi, t'es comme moi. Il y a des idées qui fusent en disant « Ah, on pourrait rajouter du sel ». Moi, je me dis « j'étais pas trop chaud ». Mais après, moi, j'écoute tout le monde. On est là pour progresser ensemble. J'ai pas de légitimité particulière à avoir la pensée finale de la cuisine, quoi. Donc, Et tu pas qu'on la monte au beurre, là? C'est déjà fait. C'est déjà monté au beurre. Ça va pas assez. Attends, il y a trop de liquide. Bah... C'est pas grave, ça va réduire. Hein. C'est une nage, hein. Le but, c'est pas que ce soit non plus trop sirupeux. T'avais annoncé une bisque ou une... Non, on va dire nage. Piment. Moi, je remettrai un peu de piment. Piment, il est là, je l'ai sorti, il est là. C'est piment fort? Ouais. Ah ouais, c'est un bon goût, ça. Mmh. Oh, Marc Amori, il a fait... Yes. Il a l'air trop content. Chef, on a plus que ça en... Chef Marca. Oui. Comment ça se passe, alors? Ça se passe bien. Le tartare de langoustine est au frais, la bisque est en train de réduire, on va la monter au beurre manié. Donc tu refais la bisque de tout à l'heure? Je refais la bisque, alors c'est pas des langoustes, c'est des langoustines, mais ça va être tout aussi bon et on peut pas avoir la chance tous les jours de cuisiner de la langoustine. Je suis pas prêt d'oublier ta bisque. Ça, je te le dis. Et la bisque ne fait pas le moine, bien évidemment, Agathe. Ah bah non, bien sûr. Voilà. Allez les filles, allez, allez, ouais. Il faut vraiment passer sur le poisson. Après, je vais faire le poisson. Enlever la peau des poissons, un geste simple et rapide si on connaît la technique. La peau, t'arrives à l'enlever tout de suite d'un coup ou il faut que tu la rattrapes après? Parce que moi, des fois, je la rattrape. Elle colle. Non, il faut l'enlever tout de suite d'un coup. Mais en fait, c'est que t'es pas obligé de râper forcément. Tu peux enlever un peu de chair, un tout petit peu. Ouais, c'est ce que j'essaye de faire, mais. Déborah, elle est super appliquée, elle est super investie pour moi et franchement, elle trouve trop mime cela à faire chaque arête et chaque morceau de peau. Mais je me dis qu'on est trop long en temps. Vincent? Oui? Il va falloir que tu décales sur les entrées. Il faut absolument que t'ailles couper le poisson. On est trop en retard, tu feras ça après. Finis ce que t'es en train de faire et on décale. Ben, j'ai mis tout le monde sur l'entrée parce que ben, on n'a pas beaucoup de temps. Je compte beaucoup sur Vincent pour récupérer ce temps après, mais ça va y aller. Ça va, Zach? Dans 15 minutes, je commence le gel, je finis ça, même moi. Zach, je l'ai mis sur un gel Kombawa citron vert piment, qui est assez punchy, assez acidulé, donc faut faire attention de ne pas en mettre trop, parce que le but, c'est pas que ça emporte tout et que ce soit trop acide, parce que je me suis déjà pris des claques sur des plats ou des serres qui étaient trop acidulés. Tu peux venir goûter le jus, je vais peut-être mettre un jus d'orange pour contrer une légère acidité. Ouais. Mais c'est pas mal, en vrai. Hein. J'ai mis du zeste d'orange. C'est acide, c'est bien. J'avais promis un petit gel, il démonte. Il est incroyable. Il est un peu amer, il est très acide. C'est une tuerie. J'espère que les chefs ils vont kiffer le gel. Hein. Je vous le dirai. Chers candidats, il vous reste 15 minutes pile. Il ne reste plus que 15 petites minutes avant que Clara et Marc Amori ne présentent l'entrée de leur grand banquet au plus digne représentant de la grande gastronomie française. Les gars, il faut vraiment faire la poudre, là. Je fais les herbes, là. Il faut vraiment finir le poisson. Allez. Le poisson, on est dessus. Pour l'entrée, là, la gelée, elle est finie. On est en train de faire la poudre d'herbe. Là, on est en train tous de détailler le poisson. Putain, faut y aller. Faut y aller, ouais, on est à la bourre. Allez, là. Pensez à dresser l'entrée, parce que les convives vont bientôt arriver. Allez, j'aide. C'est bon, on est pas mal, là. Les pignons, là-dedans, tu m'as dit? Les pignons, tu veux qu'on les concasse? Non, les pignons, on va les concasser et on les saupoudrera. On les saupoudre en premier, les gars, en premier, pignon,
gel à net. C'est bon. Il est impératif d'envoyer dans les temps et à la minute cette entrée. Donc, c'est important de réunir tout le monde au même poste et on envoie pour être un petit peu plus sécure vers la fin. Les sels, ça va bien réduire. On montera au beurre au dernier moment. Okay. Et on ajoute un peu de maïzena pour le liant. Clara. Ouais. Poisson fini. On a tout. Tu peux me le balayer là-dedans, s'il te plaît. Clara est en passe de finaliser son ceviche. Aura-t-elle le temps nécessaire pour dresser 13 belles assiettes? On dresse. Tu m'aides. Cher candidat, il va être au temps de servir votre entrée. Nous avons des invités de marque pour déguster votre banquet ce soir. Cuisine créative, cuisine traditionnelle, cuisine étoilée. Ils sont difficilement impressionnables, mais très impressionnants. Je vous demande de les accueillir tout de suite. Emeline Aubry, Fanny Rey, Pierre Auger, Christian Constant, Simone Zanoni, Christophe Michalak, Éric Briffard, Alessandra Montagne et Frédéric Anton qui vont maintenant déguster vos mets et votre banquet. Quand je vois les chefs arriver, je suis stressée en fait. Il va pas falloir trembler. Il va falloir vraiment aller à l'essentiel et essayer de sortir à chaque fois des assiettes toutes identiques. Autant d'assiettes que de chef, donc il va falloir y aller. Et une en plus pour Agathe, hein. J'ai un petit... C'est absolument dingue de les voir tous arriver. C'est assez intimidant parce qu'il y a une flopée d'étoiles que j'ai rarement vu à part en regardant le ciel. Donc ça met un coup de pression parce que les 12 chefs invités plus Agathe sont là pour déguster nos plats et il ne faut pas les décevoir. Dans 10 minutes, nous allons donc déguster vos entrées. J'espère que vous avez commencé à dresser. La pression est forte pour Marc-Amaury et Clara. Les dés sont lancés, les invités sont installés et ces éminents représentants de la gastronomie française n'attendent qu'une seule chose, déguster leurs entrées. Il faut qu'il y en ait assez pour tout le monde, hein, donc ouais. Vous tassez pas trop. C'est pas droit, les gars. Hein. Droit au milieu de l'assiette. Hein. Allez, essaye de mettre... Est-ce que l'écume, je peux la mettre avant? Allez, vas-y. Il vous reste une minute avant d'envoyer l'entrée. Allez, une minute. Allez, on n'a plus beaucoup de temps, là. Allez, là. Faut pousser, poussez-vous. Marc, il manque pas les assiettes, là, genre 3, alors, 4, 5, est-ce qu'il y a, 6, y a combien 7, d'assiettes? 8, 9, 10, 11, 12, il n'y en a que 12. Allez, on en refait une. Vous remettez un tour de moulin de sel partout. Allez, go. 5. Dépêchez-vous, là, on nettoie. 4. Microplane du citron partout. Allez, microplane du citron partout. 3. Ici, il en manque un petit peu. 2. Allez, faut enchaîner, là. C'est bon, c'est propre, celles-là sont bonnes. Top pour les entrées, vous pouvez servir. Allez, on se remobilise sur le plat, hein. Continue ouais, le plat. Le moment tant redouté arrive. Ça sent très bon, ça. Les convives du grand banquet vont goûter et noter les entrées de Marc-Amaury et Clara. Cette première note s'additionnera à celle du plat et du dessert. À l'issue du grand banquet, les deux finalistes découvriront leurs notes et le nom du gagnant MasterChef 2022. Moi, je veux juste vous applaudir déjà. Bravo. Oh. Tous les chefs qui sont là en banquet autour de cette grande table, c'est vraiment impressionnant. Une pluie d'étoiles partout. De part et d'autre, je vois des sourires, des regards et ça fait plaisir. Et à la fois, c'est assez impressionnant de les voir tous arriver à ce moment-là. Clara, est-ce que tu peux nous décrire ce que tu as fait avec ta brigade? On a fait un ceviche à la mode péruvienne avec une tuile de maïs et un gel passion piment qui est assez relevé pour donner un peu de corps à ce ceviche. Et toi, Marc-Amaury? Avec la brigade, on a fait un tartare de langoustine avec un gel kombawa citron vert piment sur lequel on a des pignons de pin torréfiés, un peu d'aneth et une bisque de langoustine. Parfait, merci à tous les deux. Nous allons déguster vos entrées. Et on vous laisse continuer parce qu'il reste encore le plat et le dessert à sortir. Merci. Déjà, dites-moi ce que vous pensez des entrées de nos candidats sur le dressage. C'est relativement séduisant pour des amateurs. C'est quand même assez fou d'avoir des assiettes aussi joliment présentées. C'est très élégant. Les deux assiettes, vous plaît. Alors, il y en a une qui est beaucoup plus épurée que l'autre. L'autre est très colorée, très joyeuse, en tout cas, dans l'intention. J'aime beaucoup les couleurs aussi, mais c'est un très beau travail, en tout cas. Moi, je suis du même avec Emeline. J'adore toutes les couleurs, les odeurs qu'elle dégage. C'est vraiment très beau, quoi.
Là, on a une architecture qui est déjà travaillée. On voit quand même beaucoup de techniques. Et une prise de risque qui me plaît. Prise de risque alors visuelle et j'espère prise de risque aussi de saveur. Esthétiquement, cette petite mousse verte qui accompagne a l'air d'être légère et sympathique. La gelée orange très épaisse, donc là j'ai un doute quand même à la dégustation. Je vais me faire défoncer sur la gelée, c'est sûr. Mais bon, c'est fait, j'aurais peut-être pas dû la mettre, je sais pas. Déjà en visuel, c'est complètement différent. Là, on sent peut-être qu'il y a un peu plus de travail. On voit des différents éléments, on commence à regarder un peu la feuille d'impression, on voit du maïs. On est peut-être un peu plus intrigué. Gauche est beaucoup plus simple, mais parfois la simplicité, ouais, c'est qu'est-ce qui nous plaît. Moi, je pense que pour la présentation, il faut quand même mettre un peu de bisque. C'est vrai que de saucer dessus avec la bisque chaude, ben, je trouve que ça fait une assiette élégante sur le final. Ça invite à la dégustation. Moi, je suis un peu déçu. Je m'attendais de Marc Amoury voilà, un peu plus de profondeur par rapport à la présentation. Alors, sans influencer personne, on a eu une première épreuve pour cette finale. Et Marc Amoury a déjà fait une bisque de langouste. Ah non, les gars, oui, j'ai fait une bisque, mais j'ai répété ce qui marche, les gars. Moi, je trouve ça un peu dommage de répéter. Je trouve que c'est très simple pour une finale. Voilà. Maintenant, on va voir la dégustation. Avis plutôt mitigé de la part d'Yves Candebordes sur le choix de Marc Amoury de cuisiner à nouveau une bisque. La dégustation de l'entrée du finaliste le fera-t-il changer d'avis? Que vont penser l'ensemble des 13 invités de son tartare de langoustine? Sur l'entrée, ce qui va vraiment faire la différence, c'est la bisque. Donc il faut qu'elle soit bien à pente. J'ai bien gardé les conseils du chef lors de la dernière épreuve. Ça, c'est vraiment la clé, la réussite pour l'entrée ce soir. Waouh, bisque très bien réalisé. Agathe, est-ce que vous vous régalez? Ça fait du bien quand même. Je l'ai bien mérité. Bah oui. Alors, est-ce que vous vous régalez ou pas? Moi, la première entrée de Marc Amoury, je trouve que la concassée, l'angoustine, c'est pas un... ça mériterait un peu plus de finesse. Plus ouais. Écoute un peu ce qu'ils disent parce qu'ils sont en train de parler de notre plat là. Le souci avec des langoustines crues, c'est que c'est rond en goût. Et la bisque, c'est rond en goût. Ouais. Oui. Tout est rond et il n'y a pas suffisamment de relief dans le plat. Pour moi, c'est pas waouh quoi. La langoustine crue, ah, c'est des risques, c'est bon, mais pourquoi pas? Et il manque un peu de croustillant, là, peut-être. Je vous rejoins. La langoustine, c'est un peu compliqué à manger en tartare comme ça. Juste rôtir pour faire ressortir en fait, le goût de la langoustine, ça aurait été plus pertinent et plus judicieux, je pense. C'est très bon, mais je trouve que c'est un peu simpliste pour un plat de finale. Ben moi, contrairement, la langoustine me plaît beaucoup. Déjà, parce qu'il y a une bisque, elle est faite d'une façon vraiment bien précise et très professionnelle. Elle a du goût, elle est assaisonnée, elle est pointue. Donc ça, c'est très important. Et tu vois que même si il avait déjà peut-être fait une bisque dans une épreuve précédente, tu vois que là, il y a une âme de cuisinier parce que c'est des amateurs et arriver à maîtriser cette sauce, ce goût, cette puissance, eh ben, c'est pas donné à tout le monde. Moi, c'est vraiment le plat qui me plaît. Ouais, chef, chef. Frédéric Anton, il vient de goûter la bisque et ouais. A priori... Ça lui plaît? Il a kiffé la bisque. Ouais, yes. Bien sûr qu'il a kiffé la bisque. Pour moi, c'est bombesque. Le gel un peu kombawa, la bisque de langoustine, voilà, c'est frais, c'est bon. Ça, c'est digne d'un très bon restaurant. Ça, c'est vraiment, ça, j'adhère. Je suis fan absolu de l'entrée. Je suis vraiment d'accord. C'est vrai que dans l'émotion, il se passe quelque chose et il y a un vrai équilibre. Moi, j'avais peur du déséquilibre entre le kombawa, qui est quand même un agrume très fort et qui peut très vite prendre le dessus sur tout. Et là, c'est très bien équilibré. On est vraiment sur quelque chose de très, très agréable. Malgré quelques avis en demi-teinte, l'entrée de Marc Amoury semble séduire. Qu'en est-il de celle de Clara? Son ceviche à la péruvienne, accompagné d'une tuile de maïs et d'une gelée piment passion, fera-t-il l'unanimité? Quand les chefs ils mangent mon entrée, je regarde pas. J'ai trop honte, franchement. Je veux pas voir leur réaction qui brandissent un bout de steak de gelée. Non. Je suis un peu défaitiste sur cette entrée. Sur l'entrée de Clara, cette gelée est presque inutile. Il y a beaucoup de travail. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on peut saluer, vraiment beaucoup de travail. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est la gelée. J'ai l'impression qu'elle est un peu épaisse. Peut-être qu'elle l'a collée que au agar-agar, justement, et qu'il aurait fallu mettre peut-être un peu de gélatine pour avoir quelque chose d'un peu plus soyeux. Et c'est vrai que ce genre de produit, vaut mieux la pétiner éventuellement ou la gélifier. Mais une fois que j'ai soulevé cette gelée qui est effectivement trop prise, trop collée, moi, j'aime bien quand ça fond, quand elle est souple et qu'elle fond un peu sous la chaleur du palais, mais
Je n'apprécie pas tellement le taillage, un peu trop petit, trop mélangé. La gelée de passion, le gélifiant n'a pas été maîtrisé. Donc non, bon, ouais, parce que tu vois, vraiment, elle est vraiment crachuteuse. Ouais. Mais on a mis du fruit de la passion cru. Je me sens fébrile. C'est vrai que la gelée, elle est très épaisse, bien relevée, il y a du peps. J'aime ça. Faut pas oublier, c'est des amateurs, quoi. Oui, oui, et c'est pas des professionnels. Ouais, faut oser. Là, là, c'est la simplicité. Là, il y a l'audace. Là, il y a le goût. Très honnêtement, le choix est pas facile. Ah. La dégustation des entrées est terminée. Les invités vont maintenant procéder au vote. Chaque invité doit distribuer un point à Marc Amaury ou Clara. Seuls les votes du jury comptent double. Merci, chef, mais moi, j'ai dégusté, j'ai de la chance, mais je ne vote pas, en revanche. Je veux rester impartiale avec nos candidats. Pour l'entrée, Clara obtient ainsi 3 points. Marc Amaury, lui, avec 12 points, prend la tête de la finale. Même si la texture de la gelée a pénalisé la jeune femme, il lui reste le plat et le dessert pour rattraper son retard. Et je vous fais confiance hein, sur le menu. Ta sauce, il faut qu'elle soit nickel. La farce, il faut la faire prendre. Il faut qu'elle ait vraiment du goût avant de la faire prendre. Allez, il faut qu'on se rattrape vraiment sur le plat, là. Là, je reste un peu sur ma déception de la gelée, hein, franchement. Je me demande si on n'aurait pas dû la refaire. Maintenant, c'est trop tard. Je suis assez triste. Même si les deux finalistes ne connaissent pas le résultat de ce premier vote, Clara est déçue par son entrée. Elle sait qu'elle doit maintenant se ressaisir pour servir un plat de compétition. Ce sont des ravioles à la farine de noisette avec de la volaille, du vin jaune, des morilles et une petite poêlée de girolles. Ou mélange farine et après... La mélange de farine et puis comme ça après tu pourras rediviser. Après je pèse mes œufs et je vais diviser en deux. Donc 6 œufs. Je dois pas me planter sur les grammages. Parce que c'est assez précis, la pâte à pâte. Donc du coup, on va essayer de faire ça au mieux. Hop, sur le concours. Je suis sorti sur l'épreuve des pâtes. En effet, lorsque Vincent a présenté son plat de pâtes à la chef Georgiana View, le verdict fut sans appel. La pâte, en elle-même, un poil épaisse. Vraiment pas étalée assez fine. Et là, vraiment, ça gâche un peu la dégustation. Donc aujourd'hui, justement, c'est un petit peu ma revanche. Les grammages sont bons, donc maintenant on va pouvoir passer au mix. Vincent, c'est quelqu'un qui est tout particulièrement spécialiste des pastas. Et donc on partage cette passion pour les pâtes et c'est un atout pour moi dans ma brigade de l'avoir. Ça semble sèche, non? Avec le jaune, ça va être bien. Quel jaune? Bah, dans ta pâte. Là. Mais là, je l'ai mise. Ah là, t'as mis tous tes œufs? J'ai fait le grammage, j'ai tout divisé en deux. Et mes mais là, elle n'est pas prise, ta pâte. Il faut que ça boule. Hein. Mmh, je sais. On va rajouter. Putain. Donc là, un peu de pression. Mais bon, je pense qu'on a le temps de refaire ça bien. Alors, moi, je suis en train de préparer les rôtis de lotte. On a de la lotte lardée rôtie avec un pesto de sauge. Ensuite, on a une chips de panais qui va venir sur ce médaillon. Et on aura une mousseline de panais. Ça va être super bon. Bon, alors Marc Amaury. Oui, chef. Oh, mais je vois que ça progresse bien déjà. Oui. T'as pas trop léché de chair sur l'arête? Non, sur l'arête, j'ai essayé d'être de suivre l'arête au maximum. Parfait, ça c'est parfait. Alors tu l'as cuit à quel degré? Alors je vais les cuire à 200 degrés, 15-20 minutes, et je vais mettre une sonde pour qu'elle soit à 51 degrés à cœur. Oui, voilà, c'est ça. Oui, oui. Vous me dites si je change... Donc il va falloir qu'elles soient bien régulières. Oui, je vais les mettre en quinconce parce qu'on a un côté plus petit, parfait, côté plus gros. Donc je vais les disposer en quinconce comme ceci. Ah, super. Lardé, bien ficelé. Donc parce que tu le fais comme une ballotine. Comme une ballotine, ça se rétractera à la cuisson un petit peu. Donc là je comprends le temps de cuisson parce que c'est vrai qu'il y a quand même de l'épaisseur. Il y a un peu. Est-ce que je la détaille pas en deux pour faire des plus petites ballotines pour que ce soit un peu mieux cuit. Mais après, il faut bien l'accompagner peut-être dans ta cuisson. C'est là que tu vas pouvoir jouer, lui donner de l'éclat. Je vais faire un médaillon seul. Allez, hop, c'est parfait. Le chef qui puisse regarder un peu mes prépas, ça me rassure pas mal. Donc si c'est bien énervé et si les idées sont bonnes, voilà, je suis très content. Alors que Marc Amaury semble rassuré par les conseils d'Éric Briffard, Clara est de nouveau en proie au doute. En fait, ça fait un crumble, quoi. Et pourquoi tu la fais pas dans un robot avec une feuille? Si tu veux, l'autre partie, je peux la faire à la feuille. Ouais.
Au cutter, ça a pas bien fait la pâte, donc on va refaire les peser et on va recommencer. C'est excessivement important que la texture soit parfaite. Il fait chaud, il fait chaud. Donc 250 grammes, là on est bon. Là, faut que ça marche gros, faut donc que là, ça marche, faut que ça marche, faut que ça marche. 1 kg par 2, ça fait 750. Je vais pas te stresser, mais faut que ça marche. Ouais, t'inquiète. Vincent, il a la pression, mais je sais que c'est un grand sentimental. Donc il rebondit super vite, super bien, ça le dérange pas de recommencer. 4, 5. En même temps, il faut que Vincent il sorte vraiment une pâte parce que sinon, il n'y a pas de plat, en fait. Sans pâte, il n'y a pas de ravioles. Sans ravioles, il n'y a pas de plat. Alors, bonjour, chef. Ça va? Ça va, et vous? Donc là, c'est une pâte à raviolis. Une pâte à ravioles, exactement. D'accord. Donc là, on voit voilà, qu'elle s'amalgame bien et que c'est plutôt pas mal. Après, c'est... on va la passer sous fil. Exactement. On va la mettre au frais. Pas trop épaisse, justement, pour qu'elle prenne bien le froid. Et normalement, on sera bien pour la mémoire. Plus elle est ferme, plus on peut la faire finir. Tout à fait. C'est ça qui est intéressant. Exactement. C'est même bien, c'est même bien. Clara ? Je travaille comme un cochon. Clara. Eh ben c'est pas mal ça. Ouais, elle est bien, elle est bien, elle est bien. C'est bien, t'as bien fait de la refaire, Vincent. Ah oui, oui, il vaut mieux. Tu l'étales un petit peu avant de la refroidir, comme on a dit ? Exactement. La pâte, elle est OK, donc là, gros ouf de soulagement. Je sais pas ce qu'il a foutu sur la première, je pense qu'il y a eu un problème sur les pesées, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on ait rattrapé le truc. Vincent, c'est un grand émotif, hein. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait eu un petit stress de dernière minute, là. Il est trop mignon, je l'aime trop. Alors, on en fait un, deux, je te laisse faire les autres. Ok. Ok. Une lotte. On peut la poivrer. Marc Amaury choisit de confier l'étape cruciale de sa recette à Jean-François. Pourtant, on ne peut pas dire que barder un ingrédient lui ait porté bonheur durant le concours. Jean-François se souviendra longtemps de ses gambas au lard de colonnata, sans lard. Jean-François, moi j'ai quand même une petite question. Alors j'ai bien compris que vous l'aviez cuit avec et je suis presque déçu de ne pas retrouver le lard de colonnata. Ouais, voilà. Quand on sait le prix que ça coûte, c'est quand même dommage de l'utiliser et de ne pas le voir. Espérons que pour Marc Amaury, cette fois, sa lotte soit bardée dans les règles de l'art. Tac, ici, gauche droite. Ok, en tresse. Quatre, ouais, en tresse. Bien serré jusqu'au bout. Il faut bien serrer, ça rétrécit la lotte un peu quand même. Hein. Ouais, ça rétrécit, mais on va la ficeler. Hein. On va la serrer un peu ficelée. Hein. Ok. La recette de lotte de Marc Amaury prend forme. Côté Clara, Jean s'attaque aux poulets qui serviront à la farce des pâtes et aux jus qui les accompagneront. C'est parti. Là, ça va être travail à la chaîne, j'en ai 7 à faire. Là, l'idée, c'est de désosser l'animal pour garder carcasse suprême et puis cuisse. Ça te va ? Comme ça ? Ouais. Tu enlèves la peau après, et la peau tu la mets de côté. Hein. Ok. Et après, tu saisis. Ouais, bah quand j'aurai fini mes poulets ? Oui, oui. Oui. On est une équipe, on est soudés. En plus, on s'entend très très bien. Et donc, on est vraiment tous là pour faire gagner Clara, pour faire gagner ces 100 000 euros qui peuvent vraiment lui changer la vie. Tu t'en sors, Jean ? Ouais, ouais, ouais. Ça tourne. Allez, allez, hein. Ah bah. Tu perds pas le rythme. Là, là, attends, attends. Là, tu souffres, là. Là, tu prends ici la jointure, hein, et tu trouves ta jointure, là, regarde. Tu mets le doigt, là. Regarde, tu coupes directement. Toi, t'es directement dessus. Voilà. C'est là. Voilà. Juste là. Voilà, voilà. Ouais, juste là, ouais. Voilà, ça, tout simplement. Il vous reste une heure, cher candidat, tout pile. Donc, la moitié du temps est passée. Je lance la lotte tout de suite. Les queues de lotte lardées, on va les marquer ici, parce qu'on n'a pas de poêle assez grande. Le plat s'avance bien. L'important, c'est de garder le cap. On a fait une belle entrée dans les temps. Maintenant, faut pas déconner sur le plat. Donc, on va les faire bien rôtir. Et ensuite, on va les mettre au four 20-25 minutes. On n'est pas dans la cuisine light aujourd'hui. On est dans la bonne cuisine. La bonne cuisine, c'est évidemment du gras. C'est ce qui permet de véhiculer les arômes. Donc, aujourd'hui, on s'en prive pas. Je pense que tous nos chefs aiment aussi cuisiner au beurre. Donc, voilà. C'est beau ce que tu fais. Tu veux pas le mettre encore plus crispy, plus coloré ? Non, il va continuer à... Dans le four ? Continuer dans le four. Sinon, il cuit trop le poisson. La sonde, elle a un rôle hyper important. C'est ce qui va permettre de cuire vraiment à cœur cette lotte. 51 degrés, encore une fois, c'est très précis. Donc là, il faut pas... faut pas se louper là-dessus. Hein. Hop, on enfourne. Tac. De leur côté, Clara et Jean sont toujours concentrés sur la fabrication de la farce et son bouillon. Clara, t'es sur le bouillon ? Ouais. Ouais, ça accroche bien, ouais. Ok. Là, je fais le bouillon pour venir cuire la viande.
Et puis après, c'est un bouillon qu'on va récupérer pour la sauce. Donc il est important, ce bouillon. Je te fous les carottes dans lequel ? Dans les deux, dans les deux. Là, je fais vraiment attention à bien travailler et bien être vigilant sur le bouillon. Parce que c'est vraiment l'architecture du plat. Clara ? Ouais. Là-dessus ? C'est bon ? On va déglacer au vin blanc ? Donc, il est impératif que ce soit réussi parce que sinon, pas de jus, pas de plat, quoi. Pour réaliser ma farce, je fais cuire la viande dans un bouillon qui a déjà pas mal de goût, avec du cognac, flambé, etc. Ce bouillon, c'est toujours un enjeu technique, donc je veux vraiment quelque chose qui ait du corps. Clara, ça te va, ça ? Vas-y, vas-y. Voilà, c'est bon. Une bonne... lampée. Une bonne lampée. Il faut vraiment que ça ait du goût. Tuc. T'as calculé le temps, t'as mis un timer, hein ? Ben oui, regarde. Parfait. T'as mis combien de temps ? Tu m'as dit 25. T'as mis 25, là ? Ouais. Ok. Peut-être que dans 15 minutes, ce sera bon, tu check. Il faut pas que ce soit trop cuit, hein. C'est hyper fatigant. Dès qu'il y a quelque chose qui va de travers, et il y a eu beaucoup de choses qui sont allées de travers, et c'est stressant. En tant que chef de brigade, naturellement, je vais mettre mon nez partout, quoi. Donc, je demande à tout le monde, là, c'est bon, t'as bien compris. Je veux qu'ils me répondent quand je leur donne des instructions. Après, tu sors les morceaux et tu vas les dépiauter, et moi, je vais filtrer le bouillon, d'accord ? Ouais, on va attendre qu'il refroidisse un peu, non ? Oui. Je tiens à mes mains, hein. Clara reprend confiance. Du côté de Marc Amaury, alors que la lotte est en cuisson, il est temps de s'occuper de la mousseline de panais. Il y a le pignon de pain qui va venir par-dessus. Ça déborde, les gars, là. Le lait. C'est le lait, ouais. Excuse-moi, c'est classique, c'est pas grave. C'est normal, ça m'arrive à chaque fois. Il faut que la mousseline de panais soit parfaitement lisse, passée au tamis, qu'il n'y ait aucun grain, qu'il n'y ait aucune fibre, parce que le panais, c'est assez fibreux, il faut vraiment tout passer. Et on la maintient un peu au chaud pour que elle soit chaude dans les assiettes. Je suis en train de passer donc le panais au tamis, mais avant, je l'ai mixé au mixeur et on l'a monté au beurre. Ça fait un nuage en bouche, en fait. Emmanuel a brillé plusieurs fois lors du concours grâce à sa technicité. Ça m'a plu et je trouve ça toujours hyper intéressant de mettre la technique au service du goût. C'est une belle assiette et c'est un bon plat. Une qualité qui devrait être un véritable atout pour Marc Amaury lors de cette finale. Tu peux voir un peu quelle consistance elle a, la petite, là ? Elle est fine, elle est bonne. Super. La brigade de Marc Amaury poursuit sa trajectoire en toute sérénité. Il ne reste plus que 45 minutes d'épreuve et celle de Clara continue d'avancer malgré le stress. Tiens, ma cocotte, ça, c'est le bouillon avec lequel tu mouilleras ton jus après. Super. Okay. T'en as besoin de plus ou c'est bon ? Il a l'air bien concentré quand même. Ouais. Il y a une frénésie et c'est stressant depuis le début parce que tout le monde est à fond. Enfin, c'est vrai que là, il y a du retard, c'est pour ça qu'on essaie de gagner du temps et d'aller vite là. Il faut vraiment se dépêcher là. Tu peux pas ne pas avoir de plat, de finale, de Masterchef. Hein. Là, ce serait vraiment la honte ultime et c'est ça qui me tient. Allez, il faut sortir quelque chose, même si je sors une raviole au milieu de mon assiette, je sors une raviole au milieu de mon assiette. Et tout le monde aura la même chose. Je te les mets toutes les morilles avec les girolles dans le plat ou j'en garde pour la déco ? Non, il faut toutes les mettre parce que ce sera pour la déco, mais il faut qu'elles soient revenues. Ouais, je suis en train de cuire les champignons, j'assaisonne un peu. Je suis en train de faire les jus en même temps, qui sont en train de réduire. Du coup, là, j'en ai fait trois parce que, en fait, le risque dans les jus comme ça, c'est toujours qu'il y en ait un qui crame et tu t'oublies un peu, tu te barres et puis là, tu te dis putain, il a disparu le jus. Du coup, je réserve toujours trois casseroles parce qu'un jus, c'est très long à faire. Là, faut couper toutes les carcasses, machin. Quand c'est du poisson, c'est les têtes. Donc voilà. Alors qu'Alice reste hyper concentrée sur les jus de Clara, Zachary achève la préparation des chips de panais qui apporteront du croustillant au plat de lotte de Marc Amaury. Le but, c'est d'avoir une régularité parfaite pour les 13 assiettes. Donc, je viens chercher une coloration similaire sur l'ensemble des assiettes. Là, il faut que ce soit top. C'est une finale. Il y a 13 chefs de ouf. Eux, ils font de la bouffe de qualité. Ils mangent de la bouffe de qualité toute l'année. Donc, il n'y aura pas le droit à l'erreur là-dessus. Fais-en en plus. Hein. Comme ça, on choisit les plus belles. Hein. Ouais. T'as salé un petit peu. Mec, j'ai fait un sel de soja et tout, t'inquiète, y'a pas de galère. Ouais, mais une poudre, hein. On avait dit une poudre. Ouais, je sais, mais bon. T'as pas réussi à les sécher ? Non, ça a mal séché, je l'ai tout broyé. Bon, c'est pas grave. Allez, ça ira. Je vais voir Zach, on a du mal à avoir une poudre de soja parce que la soja est quand même assez humide, mais c'est pas ça qui va changer le goût du plat. J'avais autre chose en tête, mais c'est juste un topping sur des chips, je m'en passerai largement. Alors que Marc Amaury cuisine en confiance avec ses équipes, Clara, elle, recherche les goûts parfaits. Elle est trop sèche, la farce. Elle est là. Trop sèche, on est d'accord. Elle est beaucoup rajoutez trop du sèche. Jus. Ouais. Rajoute du jus. J'en ai rajouté. D'accord, mais il n'y a pas les morilles. Hein. Ouais, il faut mettre des morilles, il faut mettre du sel. Tu réassaisonnes la farce, il faut qu'elle tabasse. Citron vert, okay, sel. On y va. On veut que la farce, elle ait vraiment du corps, qu'elle soit vraiment goûteuse. En texture, on est mieux déjà, on est moins sec. C'est texture américaine préparée. Il y a pas mal de jus.
Ah, mais ça n'a pas de citron, les gars. Il faut que c'est beaucoup, beaucoup plus de force. Beaucoup plus. Il me reste du bouillon, en fait. Donc, pour l'améliorer, je demande aux garçons de réassaisonner. Et un petit peu de vinaigre de xérès. Un petit peu de vinaigre balsamique, même. La farce, elle n'est pas prise. La pâte n'est pas étalée. La sauce n'est pas faite. Je dirais qu'on est en retard. Attends, je vais la finir. Décale sur autre chose. C'est compliqué pour Clara parce qu'on n'a jamais cuisiné ensemble. Donc, en effet, il faut qu'elle arrive à nous faire confiance, mais en même temps, passer derrière pour voir si ça lui correspond. Elle est obligée de passer derrière, de toute façon. C'est son... Ouais. Là, c'est sa vision. Le temps file et Clara a bien conscience qu'elle doit donner un petit coup d'accélérateur pour pouvoir servir son plat de ravioles. Il reste 40 minutes, les gars, avant d'envoyer les ravioles. Okay. Je te la découpe en deux, là. Ouais, en deux, ouais, facile. En deux ou en trois? En deux. Bah vas-y, tu me les préétales et je vais les passer, moi. La pâte, elle est pas mal, mais on n'a pas pu accrocher le laminoir. Donc là, ah, c'est le moment de galère de l'espace. Là, le chef préféré, c'est toujours Zanoni. En plus, on lui fait des pâtes. J'espère qu'il va dire qu'elles sont bonnes, mais pour l'instant, il n'y a pas de pâtes, donc... Qu'est-ce que t'en penses, là, l'épaisseur encore, je la passe? Ah, regarde. L'épaisseur, tu sais que c'est pas à moi qu'il faut demander, mais là, je la trouve pas mal, quand même. Je la passe encore une... Je la resserre encore un tout petit peu. Putain, ça part en schlag. J'aimerais vraiment fixer ce laminoir. Je suis en transe, là. Vas-y, on va faire comme j'ai fait sur la première épreuve. Il est où, là? Je peux pas... On peut pas étaler les pâtes, sinon, en fait. Je sais pas si dans 30 minutes, on aura des ravioles. Hein. Mais putain... Clara doute. Ces ravioles seront-elles prêtes dans 30 minutes? Pour Marc Amori, c'est l'heure de vérité. Sa lotte est-elle correctement cuite? Ok. Oh, elle est belle. Elle est belle, 54. Ah, ouais, j'ai à voir, rien que de la couleur. 54 degrés à cœur. Elle est nacrée, là. Hop. Ça va tirer encore un petit peu. Le chef m'a dit qu'il fallait que ce soit vraiment bien cuit. Donc, ce sera bien cuit, c'est certain. Hop. Pour le plat, le cœur du sujet, c'est la cuisson de la dotte, parce qu'il faut qu'elle soit entre 51 et 53 degrés à cœur et que quand on la coupe, elle soit bien nacrée. C'est pas encore cuit, hein? Non, carrément pas. Allez, on remet au four. On remet au four, pourtant j'étais bien à cœur. Hein. La lotte de Marc Amori n'est pas assez cuite et les minutes hors du four peuvent être fatales à la cuisson du poisson. Ah oui, on le sent. Ouais. Ouais, mais c'est pas un scandale. Hein. Non, enfin, moi, je trouve pas ça scandaleux, quoi. Non, mais là, on est sur la pointe, hein, donc ouais, faut qu'on soit au milieu. Je vais le mettre carrément à 200. Déception avec la cuisson de la lotte pour Marc Amori. Clara, elle, se bat avec son laminoir. Oh, il reste 25 minutes, les gars. On va faire tous les raviolis, là. Ok. Je sais pas si on va réussir à les sortir 20 minutes. Allez, vas-y. Combien? Il en faut. Ils sont 12, 13, 13 fois 5. Il en faut beaucoup. Hop. Jaune d'œuf. Jaune d'œuf délayé, Déborah. Le jaune d'œuf délayé. Vite, vite, vite. Allez. Il est là. Vite, mon Vincent, là. On taquine, on y est. Pense à ton fils, ton mari. Pense à tout. T'es pas allé jusque-là pour rien. Ok. Une finale, il y a toujours du stress, c'est normal. Mais on va y arriver. Et là, on va faire des beaux tortellis. Et on va faire honneur au chef Zanoni. Chers candidats, il vous reste 15 minutes pile. 15 minutes. On va être très juste. Déborah, faut que tu viennes cuire les pâtes, là. Ouais, tout de suite. J'arrive. Tout de suite. Ok. Il y a une casserole qui est... Oui, les trois casseroles, là. Ok. Donc tu mets à l'écumoire 2 minutes 30. L'écumoire, là-bas. Là. Ouais, je vais chercher. Allez, Vincent, vas-y, remballe ça et fais un autre. Vite. On n'a pas le temps de se regarder, là. Hein. En effet, il n'y a pas trop le time. Vite. Une quoi, une plaque. Pas. Mais il n'y en a pas. Depuis tout à l'heure, je demande des plaques. Putain, mais on n'a rien. Attends. Je vais laver ça, je vais te mettre dedans. Jean? Oui? Tu sors les assiettes, s'il te plaît. Allez, deuxième tentative, les gars, sur la lotte. Marc Amori n'a plus le droit à l'erreur. Sa lotte doit être bien cuite. Il n'aura plus le temps de la remettre en cuisson. Est-ce que c'est cuit? Est-ce que c'est bien? Il est beau. Oh là là, regarde ça. C'est nacré, là. Voilà. C'est comme ça que j'ai envie de faire l'amour, là. C'est bien. On est bien, maintenant? C'est très bien. La lotte plaît à Marc Amori, c'est bien. Mais il reste à convaincre les 12 grands chefs venus déguster le grand banquet et désigner le gagnant Masterchef 2022. Allez, les gars, Manu, on va dresser. Faut dresser. Là. Ok. 6 minutes. On se fait ça comme ça. C'est bon, je te dresse la viande.
Tiens, ça fait combien de temps celle-ci? Là, ça fait tiens, une minute. Et celle-ci, tu les mets. Ouais, tiens. 6 minutes, c'est court. C'est court, mais là, on n'a plus le choix. Hop, une de plus. Allez, Attendez, parce que là, il y en a qui arrivent. Allez, mets la cure, allez. Droite ou virgule? Alors, attends, je vais le faire avec la spatule, je pense. Ok, on s'en fait une. Ouais, voilà. Ouais, très bien, très bien. Mais morilles, t'as bien mis une morille par assiette? Oui, j'ai mis une morille par assiette, ouais. Coup de poivre sur la lotte. Il y a le pesto à dresser, les gars. Ah putain, je l'ai pas mis en poche. Cher candidat, il vous reste 5 minutes seulement. Dites-moi quand tout est dressé, comme ça je mets la sauce. Ouais, bah mets la sauce quand même. La feuille de coriandre, c'est ça, posée? Ouais. Voilà les copeaux de parmesan sur les ravioles. Joliment, là, un petit copeau, là, comme okay. Ça. Ok. On a 13 personnes à servir, les gars. On y va, hein, ça pas des malheurs. Hein. Putain, j'ai envie de le bouffer déjà, c'est même pas servi, quoi. Nous, on est deg, parce qu'en fait, on mange pas nos trucs. Il vous reste une minute. Allez, vite. Voilà, c'est bon. Allez. Vas-y, sois généreuse en sauce. Pas trop de sel, hein, pas trop, hein. C'est déjà le bien. Le panais, hein. Il est bien assaisonné, juste la lotte, elle manque de sel à cœur. La lotte, il va y avoir du pesto, hein. Attention, 10 secondes. Il manque 3 ravioles, les gars. Ouais, ça arrive, là, il y en a 3, là. Putain. Il y en a 3, c'est bon, ça va faire. Et là, j'en ai refait, ouais, là. Tu peux les finir, mais ouais, c'est bon. 5. C'est bon, il y en a une autre. Ça va, pardon. 4. Allez, vous êtes mes champions aujourd'hui, hein. On gagne ensemble, hein. 3. Les copeaux de parmesan et la sauce sur les assiettes fines. 2. Tiens, c'est beau, ça. Il est temps d'envoyer les plats, s'il vous plaît, chère brigade, au pluriel. Aïe. Encore, il a un bleu demain. Le rituel de la dégustation se met en place. C'est maintenant le plat de nos deux finalistes que les convives vont goûter et noter. Les invités représentent la gastronomie française et ne laisseront rien passer. Visuel, goût, produits utilisés, rien ne sera laissé au hasard. Clara Marcamori, est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous avez préparé chacun, puisque là, nous avons vos plats devant les yeux. Clara, pour commencer. Nous avons réalisé des ravioles avec de la farine de noisette et une farce à la volaille et aux morilles avec une poêlée de champignons et une sauce volaille. D'accord. Marc Amori. De notre côté, on est sur un médaillon de lotte bardée, mousseline de panais, noisette torréfiée et nous avons un pesto à la sauge et à l'amande et un beurre clarifié à la sauge également. Merci beaucoup à tous les deux. Vous pouvez retourner à vos desserts. Merci, bonne dégustation. Merci. Clara, qui a obtenu 3 points, doit absolument rattraper son retard si elle espère encore devenir la grande gagnante Masterchef 2022. Marc Amori, quant à lui, avec 12 points, ne doit pas décevoir s'il souhaite garder l'avantage. Deux salles, deux ambiances. À droite, le plat de Clara. À gauche, le plat de Marc Amori. J'aimerais avoir déjà vos premières impressions sur le dressage, comme à chaque fois. Ce qui m'interpelle dans ces deux assiettes, c'est l'inverse de l'entrée. Tout à fait. Tout à l'heure, les verres, vous avez fait une présentation un peu enfantine, pas très équilibrée. Là, je trouve qu'ils nous ont fait une présentation assez précise et qu'ils ont rendu les raviolis un peu gastronomiques. Alors que l'équipe donc des Bleus, Marc Amori, qui nous avait fait une entrée très puriste, je dirais deux grandes maisons, est allé sur une présentation très bistrotière. On a inversé le style. La cohérence avec l'entrée, là, c'est... Moi, je suis un peu perdue, on va dire. On a changé de restaurant, mais pas de chef. On a changé de restaurant, mais pas de chef, exactement. Alors, on pourrait faire un restaurant. Un chef de restaurant, un chef, quoi. Pour les entrées, qui passe dans le restaurant d'à côté pour les plats. Voilà. Et l'inverse. C'est pas une mauvaise idée. Le plat de Clara, je le trouve très délicat, en fait. J'aime beaucoup. Il me donne envie de manger. Il est beau, il est gourmand. Je sens que ça va être un joli moment. Ben, visuel, moi, les ravioles, j'aime beaucoup. Les ravioles bien remplies, bien farcies. On a le petit dôme, plus un beau petit jus gras, perlé. Donc ça, j'aime beaucoup. Ben, les chefs qui mangent le plat, c'est toujours hyper impressionnant. Josiette Zanoni pour voir sa réaction sur les pastas. Ben, là, on tombe dans mon royaume. Hein. La raviole, volaille, ça me parle beaucoup. Jus de volaille, les champignons, c'est terre. Il faut que la pasta elle soit... pas trop épaisse. Elle a ajouté de la noisette, il faut qu'il y ait une texture. Je pense que ça promet beaucoup. Il parle avec les mains, hein. C'est un vrai Italien.
On parle de volaille, là, on la cherche. Ça aurait été bien peut-être de mettre quelques petits morceaux pour faire un rappel, soit un peu plus gourmand. C'est le seul vraiment défaut visuellement que je vois. Et le plat de Marc Amaury? Ah, écoute un peu ce qu'ils disent, parce qu'ils sont en train de parler de notre plat, là. C'est très généreux, un peu suranné pour moi. C'est cuisine qu'on faisait dans les années 90. Oui. 80-90, avec le bardage comme ça, de la lotte. Ça vous rappelle pas des bons souvenirs, ça? Ah, je sais qu'on l'a fait dans des hôtels parisiens ensemble. C'est une recette qu'on faisait à l'Obélisque dans les années 80-90. Voilà, de tourneau d'eau de lotte voilà, au lard paysan. Exactement. La lotte est bien nacrée. Attention qu'elle ne le soit pas trop. Hein, je l'ai signifié tout à l'heure. C'est vrai, c'est vrai. 51, attention, si ça ne remonte pas à température, là, on peut être un peu en sous-cuisson. Mm. Là, je trouve que le dressage de la purée est peut-être un peu grossier. Je trouve un peu dommage le côté virgule de cette purée de panais, parce que je trouve que ça dénature un petit peu tout. Peut-être le beurre, le mettre à l'intérieur de cette virgule, s'il y avait lieu d'être. Mais sinon, ça mène quand même l'appétit. J'ai envie de le goûter, j'ai envie de rentrer dedans. Bon, eh bien, écoutez, je vous invite à déguster les deux assiettes et après à me dire si le goût, la dégustation, change la donne pour vous. La lotte bardée de Marc Amaury, bien qu'au dressage désuet, semble plaire. Le goût confirmera-t-il cette première impression ? Place à la dégustation. Pour le plat, le plus important, à vrai dire, c'est la cuisson de la lotte. Parce que la lotte, quand on la coupe, il faut qu'elle soit bien nacrée. Une surcuisson, une minute de trop ou quelques degrés de moins, ça passera jamais. En plus, avec cette brochette de chef qui savent tous cuire une lotte parfaitement à cœur, c'est le danger, évidemment. Pour moi, la lotte, c'est pas cuit, quoi. Ma lotte, elle est parfaitement cuite. Regarde, juteux. Hein. La dernière fois que j'ai mangé une lotte comme ça, c'était dans un très grand restaurant. Et c'était une régalade totale, donc là, c'est pareil. Une lotte merveilleusement cuite pour vous, ouais. Alessandra. Pour moi, oui. En revanche, j'ai l'impression que c'est pas votre cas, Emeline. Moi, ça se passe pas bien, non. Je suis un peu déçue parce que je pensais que j'allais me régaler quand même avec ce plat. Et là, si je suis au restaurant, ça repart en cuisine. Hein. C'est mal exécuté. Je me régale pas, j'ai pas beaucoup de plaisir là, avec ça. Le pesto à la sauge, moi, je trouve que le goût matche bien, l'ensemble. Par contre, il y a une vraie sous-cuisson de la lotte. Hein. Le problème de la lotte, on est d'accord, elle n'est pas cuite. Ouais. En plus, c'est les lards. Et moi, j'avais pris quelque chose de... Toi, quand tu mets un lard de céréales, il faut qu'il y ait quelque chose du caractère. Du guanciale, du jambon de Parme. Là, c'est trop neutre. La purée, elle a vraiment même au goût, elle est bizarre. Elle est un peu granuleuse. Ouais. Et c'est dommage de ne pas avoir une purée un peu plus raffinée, un peu plus fine. Ces chips posées sur la purée, j'ai l'impression qu'elles ont absorbé un peu d'humidité et du coup, on a un côté comme ça un peu élastique. Donc, je suis assez déçue, sachant que c'est l'assiette de Marc Amaury qui nous a habitués à des choses beaucoup plus fines. Il y a des imperfections, la cuisson, c'est un peu limite, mais il y a du goût. C'est un plat où on a envie de revenir. C'est très bien assaisonné. Moi, ce pistou d'herbe est superbe. Il y a plein d'imperfections, mais quand on le mange, on se dit « ouais, c'est un très bon plat ». Une lotte à la cuisson inégale. Marc Amaury le redoutait. Clara va-t-elle prendre l'avantage avec ses ravioles au jus de volaille ? Le plat, il est très joli. On a cette sauce qui est très bonne, la farce qui a du goût. Avec les petits champignons à côté, je pense que ça va être bien. Je viens de suivre une déception pour l'entrée. Si j'en ai su une deuxième pour le plat, c'est la mort, quoi. Il est bon, le jus de volaille. Hein. Très, très bon. Je souligne quand même le travail sur le jus de volaille. Là, moi, il m'a vraiment emballé. Rien que pour ça, déjà, j'adore. Elle a beaucoup fait de préparation, la pâte à ravioles avec la noisette. Enfin, il y a de bonnes idées dans ce plat. C'est gourmand. Je dirais même que c'est une pâte à la française. Les Français, ils ont toujours eu tendance à faire des pâtes un peu épaisses. Hein. Et c'est parfaitement acceptable. Moi, je me dérange pas, l'épaisseur. Ah, moi non plus. Au contraire, je trouve qu'elle t'amène à satiété. Ben, moi, je suis quand même un peu dubitatif. On nous annonce des morilles. Il pourrait y avoir des morceaux de morilles à l'intérieur. Donc, c'est un peu dommage. J'arrive pas à voir les réactions des chefs. Et en plus, je suis hyper stressée par ma farce. Donc, Même si la farce est légèrement un peu sec, mais par contre, t'as les joues qui vont l'enrober. Ouais. Son joue est vraiment bon. Les ravioles, j'en aurais mis 5. C'est presque une entrée plutôt qu'un plat, quoi. Moi, je trouve que c'est peut-être un peu simple, mais c'est très efficace. Et finalement, l'émotion, moi, je l'ai avec ce plat-là. Moi, je retiens la raviole. On a mangé le plat. Ben oui. C'est un signe, quand même. Alors vraiment, après, on va rentrer dans la subtilité, mais on était quand même en finale. Les copeaux de parmesan un peu trop gros pour moi, fait à l'économe comme ça. Peut-être un micro-plat un peu plus fin, ça aurait été un peu plus élégant. Mais sinon, c'est un très joli plat. J'ai pris le plaisir à le goûter. Bon, donc un plat plutôt réussi de belles ravioles. En revanche, la cuisson de la lotte sur le plat de Marc Amaury, ça le fait un petit peu chuter et rétrograder. Bon, bah moi, je vais terminer mes ravioles aussi. Les avis concernant le plat principal des deux finalistes semblent s'inverser. Les convives vont maintenant voter et leur note va s'additionner à la note des entrées.
Clara obtient pour ses ravioles 11 points, alors que Marc Amori obtient pour sa lotte à la cuisson inégale 4 points. Après la dégustation de l'entrée et du plat, Marc Amori mène 16 points à 14. Nos deux finalistes sont presque à égalité. Le vote du jury pour le dessert sera décisif. C'est cet ultime vote qui désignera le ou la gagnante de MasterChef 2022. Les gars, il faut mettre un coup de propre avant de continuer, s'il vous plaît. Allez, on nettoie. Je veux vraiment qu'on fasse un coup de propre avant de commencer de la pâtisserie parce qu'on entame vraiment sur autre chose, donc... On finit avec du sucre, du plaisir, de la gourmandise. Sur le dessert, je suis partie sur la revisite d'un Paris-Brest avec de la praline rose de Lyon, donc c'est là où j'ai habité pendant 15 ans, ma ville de cœur. Et je trouve intéressant cette couleur, et c'est un goût très sucré que je vais venir contrebalancer avec un crémeux citron qui tabasse. Clara ? Ouais, tu fais crème pâtissière ? Ouais. La finale, c'est vraiment une épreuve complète. Entrée, plat, dessert, là, on donne le max, quoi. C'est vraiment un menu de A à Z et c'est ce qui est cool aussi. Des œufs, du lait, du sucre et de la farine, ce sont les ingrédients de la crème pâtissière, une préparation star de la pâtisserie française. Une nouvelle étape, donc là, on va réaliser une crème diplomate. Donc c'est une base de crème pâtissière dans laquelle on va incorporer une crème montée. Ça va apporter de la légèreté. Le petit plus, c'est qu'on y rajoute des pralines. Le dessert, c'est quelque chose avec lequel je suis assez à l'aise, à la maison en tout cas. Hop. Aujourd'hui, j'ai quand même pas mal de responsabilités, sachant que la crème diplomate, c'est quelque chose de technique, donc du coup, il faut bien la réussir. En termes de timing, je pense qu'on est pas mal. On a eu un petit coup de chaud sur l'entrée. Le retard de l'entrée s'est répercuté sur le plat qui s'est répercuté sur le dessert. Je me dis, allez, il faut mettre la pile, là. Déborah, tu passes sur la pâtisserie avec Vincent. Vincent, comment je peux t'aider ? Ma crème, il va falloir, en fait, une fois qu'elle est chaude, ouais. On va monter. Donc du coup, il va falloir que tu me la passes au chinois. OK. Merci. Wow. On a une belle couleur girly. Ouais. Mets-toi bien au-dessus. Ouais, et je verse au... T'enverses un petit peu. Top, voilà. Et là, faut diluer petit à petit. Ça a l'air pas mal, là. Je t'en remets un petit peu, un tout petit peu. Ouais. T'as pas chaud de ouf, là ? J'ai chaud de ouf, là. Oh, la vache ! Il y a du stress parce qu'on joue pour Clara. Il y a tout, il y a la chaleur, il y a l'effervescence. On est... Ça se voit sur nos têtes, là. Ah bah là, je pense que moi, ouais. Normalement, à la fin d'épreuve, j'ai perdu 6 litres. Ouais. Donc ça, maintenant, on va la faire monter. La texture, c'est bon. J'intègre la gélatine. Ouais, c'est bien. Donc là, tu mets la gélatine, tu les goûtes ici, hop. Crème pâtissière parfaitement réalisée par Vincent et Déborah pour le dessert de Clara. Dans l'équipe de Marc Amori, Dao est seul en charge du dessert depuis le début de l'épreuve. Alors, c'est une tarte au citron déstructurée. Moi, je fais des tartes au citron. Tartelettes au citron, ça, je connais assez. Donc, je vais essayer aujourd'hui de refaire exactement et d'avoir le dessert gagnant. De la précision, il faut que j'ai les yeux un peu partout, il y a du grammage, il y a le temps aussi à prendre en compte. Donc il faut vraiment que je fasse focus. Je pense que c'était un bon choix de mettre Dao sur le dessert, parce qu'avec Dao, on a fait un superbe duo ensemble sur le monochrome qu'on a gagné. C'est une épreuve qui restera marquée à vie, parce que c'était aussi Frédéric Anton. Avec Dao, on a super bien travaillé et ça m'a beaucoup plu. Donc je suis plutôt serein. Je trace mes lignes de meringue italienne. J'ai fait plusieurs tailles pour Marc Amori. J'ai anticipé si jamais ça mettait plus qu'une heure pour bien sécher au four. Marc ? Oui. Tu veux me dire quoi ? Comme ça, j'ai fait plusieurs tailles. Il y en a aussi dans mon four. Est-ce qu'on peut essayer d'en avoir peut-être des plus réguliers, moins que ça fasse trembler autant ? Ouais. Je vais juste essayer sur un morceau. Peut-être comme ça. Un petit peu plus gros. Et je te zeste. Zeste citron, okay. Vert et jaune. Ouais, ça marche. Merci. Super. Marc Amori trouvait que les gestes étaient un peu tremblotants, donc je vais lui démontrer que ça va le faire au niveau du dressage final. Ce qui est difficile, c'est d'être dans la tête de Marc Amori. Je sais qu'il a beaucoup de pression. En même temps, il veut aussi nous laisser un peu d'espace pour nous exprimer. Du coup, moi, ça me met de double pression parce que je veux réaliser ce qu'il a prévu dans sa tête. Donc voilà un peu la difficulté. Et puis, il y a le temps aussi. Double difficulté, voire triple. La cuisson des meringues est une phase délicate de la recette. Attends, mais 120 degrés, c'est trop chaud pour une meringue. C'est 90 ou 100 degrés, chef. Non, moi, j'ai 120.
Et pas plus de 100 avec cette épaisseur-là. Quoi J'ai plusieurs cuissons. Ouais, tu peux mettre un, mais 100, 110. Ah, moi, j'aurais mis 80. Parce que là, ça va être vite coloré après. Tu vois, ça commence. Baisse, baisse. Moi, j'aurais mis 90. Moi, j'aurais laissé sécher sur toute l'épreuve à 90. Descends à 90. Voilà, voilà. Faut que la meringue, elle soit craquante, qu'on puisse venir la poser contre le crémeux et tout. Ouais, ça marche. Une surcuisson, une minute de trop ou quelques degrés de moins, ça passera jamais. Donc, faut faire attention sur cette étape. Marc Amaury ne le sait pas encore, mais la victoire de Masterchef se joue sur les desserts. Nos deux finalistes doivent à tout prix éviter la moindre erreur. Et les gars, pas de sucre dans la... Pas de sucre dans la crème. Clara souhaite utiliser le moins de sucre possible dans son dessert. Un exercice difficile, surtout lorsqu'on travaille un ingrédient très sucré, les pralines roses. Là, on a la crème pâtissière, du coup, à la praline, dans laquelle on va intégrer la crème montée. Ce qui va nous donner, au final, une jolie crème diplomate. C'est rose bonbon. Clara, en crème, j'y mets encore. Ouais, c'est toujours trop sucré. On est en train de réajuster les assaisonnements. Et là, en fait, la praline, le problème, c'est un risque, hein, c'est que c'est super sucré. Tu es confiant ? Bien sûr, je suis confiant, Clara. Tiens, tu mets ça en poche, du coup ? Si t'es confiant. Et après, on va partir sur la pâte à choux. La pâte à choux, là, il ne faut pas se planter. Ça reste de la pâtisserie, donc de la technique. Il va falloir bien dessécher ma pâte, mais garder de l'humidité pour qu'en cuisson, mes choux viennent gonfler bien comme il faut. Donc la cuisson est très importante au niveau des petits choux. Dis-moi que la pâte à choux est parfaite, s'il te plaît. On a le bec, on a le bec. Hop. Pâte à choux, c'est bon. On passe au dressage des petits choux. Des petits choux, des petits choux. Petit, hein, petit. N'oublie pas, petit, petit, petit. Tout petit. Minuscule. Merde. Clara m'a demandé des choux petits, donc on fait ça tout petit. Les choux, la difficulté, c'est de faire des choux réguliers au niveau de la taille pour que chaque convive récupère la même part de gourmandise. Aujourd'hui, j'ai de la pression parce que je m'occupe de la pâte à pâte, de la pâte à choux, enfin de toutes les pâtes. Là, je viens avec un peu d'eau bien uniformiser mes choux pour qu'après au four, ils viennent pousser régulièrement. On est quelque chose d'assez homogène. Et là, ce qu'on recherche, c'est des choux de finale, quoi. On n'est pas le dimanche à la maison à faire la popote. Là, on essaye de mettre le max, surtout qu'il y a le chef Michalak. Et bon, c'est un peu son domaine, donc on n'a pas envie de le décevoir. Le chef Michalak, c'est une pointure, il est connu dans le monde entier. Moi, je connais ses pâtisseries, je le respecte énormément, j'adore son travail, donc je suis hyper honorée. J'ai devant moi le champion du monde de la pâtisserie. Moi, je suis amateur, je sors juste de ma cuisine ménagère et j'ai jamais fait de dessert, donc je me dis que pour le convaincre, il va falloir envoyer, quoi. J'ai mis à 200, j'ai lancé les... Tu les surveilles comme l'huile sur le feu. Personne n'ouvre le four. Ne pas ouvrir le four parce que les choux doivent monter. Si les choux montent pas, bah j'ai pas de dessert. Si, du côté de Clara, la crème et les choux sont déjà bien avancés, dans la brigade de Marc Amaury, Dao, chargé du dessert, semble un peu perdu dans sa recette. Marc Amaury ? Oui. J'ai complètement oublié la pâte sucrée. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Tu sais, si quelqu'un est dispo ? Oui. J'ai pas fait. Tiens, est-ce que tu peux t'occuper ? Est-ce que ça t'embête de t'occuper un peu de la pâte sucrée ? Non, non. D'aider la pâte sucrée sur Dao, parce que toi, tu sais faire, moi, je sais pas faire. OK ? Donc, 100 g de beurre, 200 g de farine. 80 g de sucre glace, 30 g de poudre d'amande, 2 g de sel, un œuf. Dès que tu as fini la boule, tu me dis, comme ça, je prends le relais. Malgré l'oubli de Dao, Marc Amaury reste serein et confiant. Ça se passe bien. Je sais que Dao est dans son coin en train de le peaufiner, de le torpiller, ce dessert. Donc, je suis plutôt assez confiant. La pâte sucrée, tu la veux comment ? Je la veux, une grande plaque. Je la veux belle. Tu veux en porte-piécé ou pas en porte-piécé ? Non, pas en porte-piécé parce qu'on va la craquer. Ah, tu veux faire un crumble. Ouais, si on va faire un crumble, donc pas trop trop fine quand même pour qu'il y ait quand même un peu de mâche, que ce soit pas trop croquant, amer, mais qu'il y ait quand même ce côté crumble un peu mou au milieu. Hein. Ça marche. Les amis, il y a Christophe Michalak qui est à table avec tous les autres chefs là. On est en train de préparer une bonne tarte citron meringuée. Il faut envoyer du lourd parce que... Juste un peu de pression, il faut qu'ils se souviennent de notre recette. Hein. Marc Amaury est parvenu à sauver sa pâte sucrée. Quant à Clara, a-t-elle réussi sa pâte du premier coup ? La pâte sucrée, elle est bonne ? Elle s'est fait ? T'as fait la pâte sucrée ? Je sais pas, je suis arrivée en plein milieu. Vincent, t'as fait la pâte sucrée déjà ? Non. Putain.
Vincent, il vérifie vraiment les choux, qu'ils gonflent bien, qu'ils dorment bien pour les sortir vraiment au bon moment. Donc je demande à Jean de faire une pâte sucrée. C'est une préparation assez simple. Il suit les dosages précisément, donc il n'y a pas de souci. Là, la prochaine étape, ça va être de préparer la pâte sucrée. Donc je vais suivre méthodiquement ce qu'a noté Clara, parce que là, en plus, la pâtisserie n'étant pas ma grande spécialité, là, je vais être en mode très exécutant. Tu te sens sur ça ou pas? Je suis ton protocole, hein. Elle me semble un peu liquide, hein. Bah, j'ai pas mis la farine. Ah. Excusez-moi. Je suis désolé. Mais pourquoi il y a des coquilles d'œufs, là, mec? Oh, putain. Où ça? Bah, il y en a une qui est tombée, ok. La rigueur, mon pote, hein. C'est la finale, là. Il y a un mec qui tombe sur une coquille d'œuf, je me fais défoncer, hein. Mais en finale, déjà, notre gelée, elle était pas bien. Donc si, en plus, dans le dessert, ils ont une coquille d'œuf sur une pâte... Si un chef tombait sur une coquille d'œuf, ça aurait vraiment été pratique à la dégustation. La coquille d'œuf n'apporte rien, aucun croustillant. Qu'on soit bien clair. Clara ? Oui. Pâte sucrée. La pâte sucrée, elle est trop chaude, en fait. Elle fond complètement. On a même du mal à l'attraper. J'étais d'avis de la refariner. Et en fait, je vois Jean qui essaye de l'étaler entre du papier film, mais il n'y arrive pas, il galère. Étale ça. Allez, bien régulier. Encore, plus vite. Allez. Jean, c'est pas son truc, la pâtisserie, quoi. Je suis pas très content de la pâte sucrée. En plus, là, avec le fil, ça s'en mêle de partout. Je sais pas ce qui se passe, putain. Besoin d'aide ici, besoin d'aide. J'ai pris les dosages, j'ai tout... Oui, mais bon, elle est foirée, mon pote. Il faut faire une solution. Fais voir, je prends le relais. Vas-y, go. Donc là, on va venir l'étaler, hop. Si la pâte est chaude, le souci qui va se passer, c'est que vu que c'est une pâte où il y a énormément de beurre, et ben du coup, le beurre, automatiquement, il devient liquide. Et là, chaleur, ça lui a pas plu. Là, franchement, aujourd'hui, je suis monsieur mille pâtes. Pâte de pâte, pâte sucrée, pâte à choux. Clara, épaisseur, ça te va? Après, on va venir directement les cercler et faire ça. Cercler. Ouais, c'est parfait. Okay. Bon. La pâte, il faut la mettre tout de suite, sinon on n'en aura pas de pâte dans notre dessert. Ça cuit 10 minutes. La pâte sucrée de Clara s'est faite dans la douleur. Alors que son équipe montre des signes de faiblesse, celle de Marc Amori, toujours concentrée, poursuit ses efforts pour tenter de le mener à la victoire. Alors, prochaine étape, c'est le crémeux de citron. Il veut du sucre parfumé au basilic. Donc, j'ai blanchi le basilic, j'ai mélangé du sucre. Et puis, du coup, je vais mettre dans un mortier pour vraiment extraire l'huile essentielle de basilic. Comme ça, sa crème de citron aura vraiment le goût de basilic. Ça sent bien le basilic. Le sucre, ça ne va pas vraiment permettre de faire sortir l'huile essentielle, il faut un corps gras. Donc je vais le mélanger avec du beurre et ensuite je vais tout filtrer. Dao a raison. Grâce à ses études de chimie, elle sait que ce sont les corps gras qui fixent le goût des aliments. Le goût du basilic va imprégner le beurre. Tu veux de l'aide? Je crois que ça va. Ah, tu veux vérifier les meringues? Je sais pas si je laisse encore sécher. Non, mais ça dépend de ce que Marc veut, en fait. Chef, la meringue, tu la veux italienne, un peu chewy, ou tu la veux... J'en ai plein de sortes. Moi, je la trouve bien. Tu la veux comme ça ou tu veux que je la laisse encore sécher? C'est bien, ça. C'est bien ça. Ouais, ça me plaît. On la sort. Si jamais les tubes ne marchent pas... Ouais, les petits tubes, ils sont prêts, déjà. Tubes, ils sont prêts. Goûter. Les petits, ouais, ils sont là. Elle est trop bien. C'est bon, bravo, Dao. Merci. C'est super. Super bon. Merci beaucoup. On a le dessert gagnant. Tu peux goûter. Ouais, grave. Tu sens basique? Oh, putain, oui. Mes meringues, j'ai une partie qui est déjà prête, une deuxième fournée qui est en cours. Ma crème de citron basilic est prête. Je vais mettre en poche et ensuite je m'attaque au gel. C'est tout bon, je suis bien. Alors que Dao s'attaque au gel d'agrumes qui apportera de l'acidité à la tarte au citron, c'est le moment de vérité pour les choux de Clara. Moi, je crois qu'ils sont dorés au-dessus, ils sont pas mal, non? Ils sont très beaux, les choux. On sort? Sors! Olé! Ah, il manque un peu. Mais je pense qu'ils sont cuits à l'intérieur, en soi. Il manque un peu de coloration, mais ils sont pile la taille que t'as demandé. Ils sont très jolis. Ça va être parfait. Les choux, moi, je les trouve pas mal. Niveau format, déjà, c'est exactement ce que Clara a demandé, donc je suis très content pour ça. Une pâte à choux, c'est assez technique. Il faut que ça gonfle, il faut pas que ça retombe. Là, ils sont nickel. Je suis content parce que j'ai tout donné pour Clara. Et là, on a ce qu'elle voulait. Les choux, on les sort avec Vincent. Ils sont magnifiques. Merci, Vincent. Ta pâte à choux, d'enfer.
qui est important dans mon dessert, c'est les différences de texture entre le croquant, les choux. Et je choisis un ingrédient très sucré qui est la praline, puisque c'est du sucre rose autour de la praline, qui va vraiment falloir rebasculer vers le citron. Et donc, du coup, j'ai donné une recette de gel citron que Déborah fait super bien. Et elle fait un gel qui bastonne le palais. Mais avec le sucre très sucré de la praline, ça fait un contrebalancement qui est vraiment en bouche. C'est super. Déborah ne doit pas négliger la quantité de gel qu'elle a à faire. C'est ce gel qui doit généreusement garnir tous les choux. Clara, allez. Quantité, ça te va ou tu veux que je... Ça ira, il n'y a que ça. Il faut que tu refasses. On n'a pas assez de crème citron, donc je vais en refaire. Sauf qu'il n'y a plus de citron jaune, donc on va le faire au citron vert. Tu fais le truc aux pralines roses, Alice. Je dois refaire un crémeux, moi, citron. OK. Moi, je suis en train de faire la tuile à la praline rose. J'ai pas du tout suivi la recette parce que moi, j'étais pas du tout censée m'occuper du dessert. Donc là, je découvre. Je suis pas très dessert, du coup, c'est pas des trucs qui me parlent trop. Je vais suivre les instructions de Clara. Je vais pas faire plus, pas faire moins. Et puis, ça va le faire, je pense. Clara, épaisseur, ça te va, là? C'est parfait. Allez, vas-y, enfonce. Alice m'a fait une tuile de praline. Ça va juste donner un petit peu de gâteau, un petit peu de gourmandise supplémentaire à ce dessert. Quant à moi, je vais faire le caramel pour venir pocher mes petits choux. C'est vraiment plus pour la décoration que pour le goût. J'ai jamais fait, je sais pas comment ça va réagir. C'est des pralines roses de Lyon. En fait, c'est des amandes avec un sucre qui est rose. Il y a une tarte très célèbre comme ça. Et moi, j'ai habité 15 ans à Lyon et mon dessert préféré, c'est la tarte à la praline. Je pouvais pas ne pas utiliser de praline pour un dessert de finale. Ça, c'est le gel citron. Il faut, quand les choux sont prêts comme ça, il faut fourrer chaque chou. D'accord. Celui-là, il est moche. Là, ils sont tous décollés. Dans le dessert, on recherche vraiment la gourmandise, mais pas l'excès de sucre. 30, 31. En fait, en plus, on fait un dessert pour Michalak, donc... C'est vraiment mignon comme dessert. Hein. C'est vrai? Ouais, ça a l'air hyper bon. Mais mon équipe, ils sont trop mignons, en fait. Je les adore, hein, vraiment. Je suis hyper galvanisée par leur attitude hyper positive. Donc, je sais pas si c'est moi qui leur envoie de l'énergie positive, mais en tout cas, eux m'envoient beaucoup d'énergie positive. Les compliments d'Alice vont droit au cœur de Clara et l'apaisent. Dans l'équipe de Marc Amori, Dao n'a pas complètement suivi la recette de son chef. Comment va-t-il le prendre? Marc, pour le gel, est-ce que tu veux citron pur ou bien citron pamplemousse? T'aimes pas l'amertume? Si, je pensais pas du tout à mettre du pamplemousse. C'est pas mal. Une petite pointe d'orange pour adoucir, mais ça me plaît beaucoup. Okay. C'est une bonne idée, j'ai pas du tout pensé à ça. C'est bien, mes recettes évoluent en fonction des gens qui y font goûter des choses. Alors moi, je prends toutes les idées possibles pour la pâtisserie. Hein. Encore une fois, c'est loin d'être mon fort. Après, moi, je suis là aussi pour laisser les gens... me proposer des choses, parce que c'est un échange, je ne connais pas tout, c'est pas parce que c'est mon menu qui doit être comme ça de A à Z et que ça doit être militaire. Non, si quelqu'un me dit, bah goûte, je rajouterai peut-être un peu plus de citron et machin, c'est hyper important pour moi et au final, ce sera forcément bon parce qu'on est d'un commun accord, on est une équipe. Donc voilà, ça pour moi, c'est la clé de la future victoire, je l'espère. Je laisse goûter ça, ouais. Ça, et puis ça, c'est un surplus. J'ai oublié ce que t'en penses, je dis pas ce que c'est. Je sais ce que c'est. Je sais pas si t'aimes ou pas. Ça, c'est super bon, j'ai gingembre. Récupéré, ça, c'est le petit gel gingembre qui vient tonica. Ça, c'est le gel gingembre. J'adore. Ça, c'est lemon curl. Wouhou ! C'est quoi, ça ? Watch. C'est bon. On va le mettre, ça. C'est quoi ? On va le mettre, ça. Ah, j'adore. On va le mettre. Gingembre. On va grave le mettre. J'adore. C'est très bon. Merci. Délicieux. À 10 minutes de la fin de la dernière épreuve de MasterChef, les deux brigades doivent attaquer le montage de leur dessert. Il est temps pour Clara de sortir sa tuile du four. La tuile, ma poulette. Ouais, mais elle est cuite bizarrement. Hein ? La pâte est pas cuite. Bah, la tuile, elle est pas cuite, mais on décide de la mettre quand même. On se dit qu'on va essayer de prendre les bords, on s'arrange pour pas mettre des trop gros morceaux. Puis de toute façon, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Il y a un moment où on s'est beaucoup relâché au moment du dessert. On aurait dû tendre la pression vraiment jusqu'à la fin. Ce qu'on n'a pas, peut-être pas assez bien fait. Ça me déçoit, c'est tout. Je vais pas présenter en finale ce que je veux. Bah, c'est hyper décevant, en fait. Le moral de Clara est au plus bas. Alors que celui de Marc Amori est au beau fixe. Dao, chef pâtissière, magnifique, tout est prêt, tout est propre. C'est chirurgical avec Dao. C'est quoi? C'est du basilic qu'il faut trier. Je vous laisse non, ça, les gars. Vas-y, Zach, tu peux aider peut-être pour ces petites sommités-là? On est très confort en temps, grâce au super travail de Dao, là, qui
qui avait lancé les meringues hyper tôt et tout. Et en fait, on prend le temps, du coup, de faire des trucs un peu minutieux. Ouais, on vient récupérer les sommités et les petites fleurs de basilic, là. Comme ça, on va faire un petit dressage assez cool. On concasse ? Ouais. Petit morceau, en gardant des bouts, quand même. Tout est prêt. Je pensais pas que ça allait se passer comme ça, à vrai dire. Donc, je suis étonnamment surpris. En bien ? En bien, évidemment. Dao, elle dépote et elle avance vite. Tout est déjà terminé. Il y a les poches avec le lemon curd, il y a le petit gel gingembre pamplemousse, les tuiles de meringue sont faites. Parfait, ça me rajoute du temps de plus pour peaufiner et d'avoir un meilleur dessert. Putain, on aurait pu me rajouter du suprême brûlé ou de la clémentine brûlée. Un citron brûlé ? Vas-y. On va faire un petit citron brûlé. Ça va rapporter un petit peu de confit, un petit peu de gourmandise. Parce que là, il y a beaucoup de petites choses dans l'assiette, mais il manque un peu d'une pièce phare. Qui est quand même notre citron. Donc voilà, on va prendre ce parti-là. Tu sais ce que tu peux faire ? Si t'as peur d'acidité, tu mets du sucre glace ou une pâte au chocolat. Allez, on essaye. Allez, je vous en refais encore un. Il y en a là. Hein. Attention que je vous brûle pas, les amis. Hein. Moi, j'adore. Ah ouais, tabasse. Franchement, ça tue. Hein. Ça réveille. Hein. Est-ce que... Validé. Il reste 5 minutes. Non mais alors là, par contre, c'est un bordel sans nom. Hein. Bonsoir, là. 5 minutes, va falloir qu'on grouille, là. Il va vraiment falloir qu'on grouille. Clara, est-ce que ça te va si on pose comme ça, on met la chantilly là, la tuile comme ça? Ouais, très ça parfait. Ok, go, 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 go. Deux bouts de tuile par assiette? 3. Ah, toujours par 3. Bah, je sais pas, j'en vois 2. Tu voudrais pas mettre un peu de menthe ou de verre? Ouais, du verre, il manque un peu de verre si possible. Vas-y, fais. Non, mais on peut pas mettre du basilic fané comme ça, c'est pas possible. Mais coupe-le, cisèle-le, vite, 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 avec des ciseaux. Vas-y, vas-y, coupe des petits morceaux. On fait très beau, hein. C'est les derniers points, là. Allez, les gars, on se met pas à chialer maintenant. Profiter, hein. Allez, les gars, bourrez, là. Je mets le basilic, hein. Ouais. Il reste 30 secondes. Allez. Les 30 dernières secondes de Masterchef, putain, les gars, allez. Je suis fier de vous, les gars, merci, hein. Vous m'avez pas lâché. Oh, merde. On est en retard. Une cuillère, j'en ai trop mis là. Tu mets du basilic partout, oui, c'est citra leaves, donc ça va aller très bien, c'est citronné. Ouais. Ça vous plaît, les gars ? Ouais, ouais. C'est magnifique. C'est beau, ça. Ouais, c'est là où c'est je suis. Hein. C'est magnifique. C'est une bonne idée, les copains, le citron, hein. Bravo. Hein. Attention, 10 secondes. Allez, remettez encore des tuiles. Il y a une paire de mains qui traîne, le basilic, les gars. Ok, 3 morceaux. En concassé, on garde toujours le multiple de 3. Eh, mec, et moi j'y crois dessus, là. Moi aussi, j'y crois, les gars. 5. Go, c'est la fin. Allez, brûlez-vous, j'en ai rien à foutre. 4. Les gars, clignez. Ouais, on cligne les assiettes. 3. Les traces de doigts, là. 2. Vas-y. 1. Éloignez-vous de vos plans de travail. Tout est fini. C'est bravo. Fini. Le coup de feu est passé. Bravo. Bravo. Félicitations. Tu l'as, cette victoire, je te le dis. Masterchef est terminé, les gars. Putain. Bonjour, Marc. Oh là là. Tout, là, tout. Bravo. Tout. Oh, top. Oh, merci les gars. Merci à vous. Ah, je suis épuisée. Allez, câlin collectif les gars. Mmh. Allez. Je tenais tous à vous remercier vraiment du fond du cœur. Parce que... m'avait aidé à sortir ce truc de ouf et si on gagne, on l'aura fait à 5 et... Et super, merci. C'est un plaisir. Bravo. Dernière dégustation de la soirée. Les convives découvrent les desserts de Clara et Marc Amaury. Avec seulement 2 points d'écart, les deux finalistes peuvent prétendre à la première marche du podium. Plus que quelques bouchées sucrées pour connaître le nom du vainqueur Masterchef 2022. Clara Marc Amaury, est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous avez préparé comme dessert ? Pour le dessert, je vous propose un dessert autour de la praline rose de Lyon avec des petits choux qui sont farcis avec un gel citron, une crème diplomate à la praline rose et une petite tuile praline. Marc Amaury. Et pour le dessert, on a une tarte citron meringuée au basilic de manière un peu déstructurée sur le dressage avec un gel au gingembre et pamplemousse mandarine. On va déguster ça. Merci à tous les deux. Merci. Est-ce que je peux avoir déjà votre avis sur le visuel ? Ben, moi, ce petit dessert-là, il m'évoque un peu la fête foraine. Je trouve ça coloré. Maintenant, je pense plutôt à un pré-dessert qu'à un vrai dessert. Parce qu'entrée, plat, dessert dans un restaurant,
Je pense qu'on a un petit peu faim, là, en sortant, quand même. Tu entends l'histoire de Clara qui me parle d'un aller-retour Paris-Lyon autour de la praline rose, qui est un des emblèmes de la ville de Lyon. Je trouve ça assez marrant. Par contre, la promesse, elle n'est pas complète, parce qu'on me parle de citron, moi, j'en vois pas. Mais l'approche me paraît plus simpliste, mais en tout cas, plus assurée, quoi. Oui, oui. Là, c'est de Marc Avonry. L'équipe bleue nous a parlé d'une tarte citron déstructurée. Je dois reconnaître qu'elle est déstructurée. Mais j'ai tous les marqueurs face à moi. J'ai la meringue, j'ai la pâte sablée, j'ai la crème citron. Et voir une petite originalité qui peut amener peut-être une saveur supplémentaire, c'est ces citrons à vif qui sont brûlés. Il y a eu un thème, hein, qui est en cuisine qui s'appelait structure et déstructure. Ouais. Mais à un moment donné, il faut garder des volumes. Oui, et ouais, ça veut dire que dans une déstructure, il faut qu'à chaque fois, ça nous ramène à l'histoire de ce qu'on a voulu déstructurer. Ouais, là, l'histoire... Je ne suis pas convaincu. C'est vrai que visuellement, on est sur quelque chose de très plat. Il manque effectivement du relief. Moi, j'ai le relief avec les meringues citronnées, etc. Donc, sur cette assiette, j'ai envie d'y aller. C'est maintenant au tour de Christophe Michalak de donner son avis. Champion du monde de pâtisserie, son avis compte. Moi, je trouve ça dommage parce qu'on a eu vraiment des entrées très chouettes. On a eu des plats vraiment à la hauteur. Et là, pouf, badaboum. On est en finale et ils ont aussi cherché à sortir de leur zone bien de confort. Sûr. Mais c'est souvent ce qu'on dit. On n'a pas vraiment la technique, ça fait un peu peur. On veut en faire un peu trop et finalement, on est un peu déçus. Moi, je préfère avoir une part de tarte au citron extrêmement bien faite que toute simple, un boogie boulga. Ouais. Là, c'est... C'est un peu ardos. C'est vrai qu'on dit souvent le plus simple et le plus difficile. Et aujourd'hui, j'aurais une belle tarte citron dans l'assiette. Ça m'aurait donné vraiment envie. Et ça aurait été plus élégant. Le mieux, c'est de goûter pour vérifier tout ça. Allez, bonne dégustation. Le choix de Marc Amaury de déstructurer son dessert ne fait pas consensus. La dégustation changera-t-elle la donne? Il y a Christophe Michalak qui est là dans le jury pour goûter des desserts. Donc ça met forcément un coup de pression. Enfin, j'ai envie qu'il y ait un peu de surprise, un peu d'étonnement avec ce côté très acidulé, pimenté. Gingembre aussi qui va ramener un peu de force dans tout ça. J'ai envie que ce soit une explosion, une petite balade, une balade explosive autour de la tarte citron. Une pâte sucrée, un crémeux citron basilic, de la meringue et un gel au gingembre suffiront-ils pour rappeler la classique tarte au citron à nos convives? Qui veut commencer à commenter ce dessert? J'aurais préféré vraiment une tarte citron plus classique, parce que malheureusement, le côté sablé, c'est bien beau de l'écraser, de faire comme un crumble, mais il y a de l'irrégularité sur la cuisson de la pâte. Le biscuit, il est vraiment en poudre, hein, moi, là. Il a été vraiment concassé entre les doigts. C'est dommage, parce que j'ai un peu l'impression de manger de la poussière de biscuit. Mais la crème citron, moi, je la trouve parfumée, OK. Il y a du basilic, le gingembre et tout ça. Le gel citron est pas mal. Ramène un petit goût de fraîcheur. Oui, il y a quand même un petit peu d'acidité, il y a de l'énergie. Ouais. Moi, j'ai tout qui est quand même assez excitant, parce que... T'as toutes les bases de la tarte. T'as l'acidité, t'as les zestes qui sont un peu brûlés, t'as la gourmandise. Les goûts sont là. Il y a tous les marqueurs. Quand je rassemble tout, que je prends l'ensemble, je ferme les yeux, je me dis, ouais, c'est une tarte au citron. Tout est bien fait. Et malheureusement, c'est pas bien assemblé. Mais quand même, il y a de la profondeur, il y a du boulot. Je suis sûr que si le boss, ils peuvent arriver à l'affiner et à faire quelque chose de correct. Quand tu le manges, oui, les goûts sont là. Mais l'exécution me gêne et m'enlève du plaisir. Plaisir de la dégustation du dessert de Marc Amaury, atténué par le choix du dressage. Le dessert de Clara doit autant séduire les yeux que le palais pour obtenir les votes des invités. Sur le dessert, on a beaucoup de fautes techniques. J'espère que ça procurera quand même un petit peu d'émotion au chef et que ce ne sera pas trop raté. Ces choux à la praline rose de Lyon, accompagnés d'un gel citron et d'une tuile, vont-ils séduire les convives ? Là, on a un dessert, pour moi, qui est un dessert un peu enfantin, tout en douceur, tout en rondeur, mais il manque les toniques. Parce que si on parle de praline rose, il faut me parler un peu de caramel, il faut me parler d'arôme. J'ai pas tout ça et les choux étaient vides quasiment. C'est vrai qu'elle n'est pas très présente, hein, la praline, on la cherche, c'est sucré, ça manque de relief totalement. La pâte à choux, elle n'est pas tout à fait cuite. C'est très sucré aussi. Hein. C'est très sucré. Ouais. Non. En fait, on ne peut pas tricher lorsqu'on fait ce genre de dessert, parce qu'on se lance sur de la pâte à choux qui est très technique. Dès qu'on travaille sur un chou, il faut essayer de le garnir. Là, il n'y a quasiment rien à manger dedans. C'est vraiment dommage. Moi, je vais faire le nostalgique. Au début de mon apprentissage, je me rappelle toujours, on m'a demandé de faire un repas pour 15 personnes. C'était pour le patron. J'étais rentré un dimanche, j'avais fait entrée, plat, dessert. Entrée magnifique, plat magnifique. Et le dessert, parce que c'était peut-être la chose, en tant que cuisinier, c'est peut-être la chose qu'on maîtrise le moins. J'ai voulu trop en faire. Et je ressens ça quand je déguste. Quand je déguste ces petits choux, ils sont pleins de défauts. C'est pas assez cuit. On nous a parlé de praline rose.
Elles y sont, mais il y a une acidité qui est dessus, donc ça se déstructure. Mais il y a le travail d'un cuisinier, qui est un vrai cuisinier, mais qui n'a pas encore cette touche sucrée. Bon, c'est une dégustation en demi-teinte. Il va quand même falloir départager les deux desserts. Hein, donc, regardez quand même les techniques chez l'une, chez l'autre, pour pouvoir faire votre choix, parce qu'il va être temps de voter. La dégustation du dessert s'achève sur une déception, tant pour le dessert de Marc Amaury que pour celui de Clara. Nos deux finalistes, pour qui la pâtisserie n'est pas une spécialité, le savent. Les convives s'apprêtent à voter pour la dernière fois de la soirée. C'est ce dernier vote qui va désigner le grand vainqueur. Clara, Marc Amaury, ça y est. Le coup de feu est passé. Vous avez tout donné. Il n'y a plus d'épreuves. On va bientôt avoir le résultat. Et je suppose que nos chefs, nos jurés, ont des choses à vous dire ce soir. Georgiana. Mais déjà, bravo d'être allée jusqu'au bout de cette épreuve. C'était pas évident. J'ai trouvé qu'il y avait une belle dynamique dans chaque équipe. J'ai trouvé que vous étiez de bons leaders, de bons chefs ce soir. Vous avez pu choisir votre menu. À la dégustation, il y a eu de belles surprises. Et puis, des surprises un peu moins agréables. Mais en tout cas, je voulais vous féliciter pour votre parcours, parce que vraiment, vous n'avez rien lâché jusqu'au bout. Vous avez donné tout ce que vous aviez. Ça s'est ressenti dans les assiettes. On a pris beaucoup de plaisir. Donc, merci infiniment. Merci. Thierry. Clara, Marc Amaury, vous venez d'apprendre deux choses importantes dans notre univers, dans notre métier. Le savoir-faire et le savoir-faire-faire. Je dirais que c'est encore plus compliqué de savoir-faire-faire. En tout cas, vous venez d'écrire une belle histoire sur la page de votre livre personnel. Ça, c'est quand même très, très fort, quoi qu'il arrive. Donc, félicitations et puis haut les cœurs. De toute façon, c'est joué. Merci. Yves. Eh bien, Agathe, j'espère que vous avez passé une bonne dégustation. Enfin, l'unique et la seule. Enfin, l'ultime, enfin. Mais oui, j'ai participé au feu d'artifice. Vous avez raison, c'est le bon mot, c'est le feu d'artifice. Quelle prestation, quelle finale. J'ai même envie de vous dire, mais quel concours, quelle aventure culinaire, quelle aventure humaine, avec des hauts et des bas, mais de l'envie et du plaisir. Et du plaisir, vous nous en avez donné. Alors, je vais demander à tous nos amis de se lever pour vous remercier, pour vous applaudir. Merci à vous. Ah, c'est pas facile. C'est le premier service que vous avez fait. C'est un bon début. Vous avez ouvert la porte de la cuisine. Maintenant, il va falloir y rentrer. Et un grand merci à tous les deux. Merci à vous. Et on s'est régalé. Bravo. Marc Amaury, Clara. Vous avez vu ce qu'il y a entre vous deux? Le trophée Masterchef. On va vous donner les résultats dans quelques instants. Juste le temps pour nous de comptabiliser les votes. Et on saura qui de vous deux est le Masterchef de cette saison. Encore bravo. Encore bravo. Bravo. Allez. Bien arrivé. Ça y est, le banquet final est terminé. Dans un instant, on va vous annoncer les résultats que vous attendez tous ici dans l'atelier Masterchef et chez vous aussi. Avant ça, je voudrais quand même remercier ces chefs de prestige, ces chefs extraordinaires qui vous ont accompagnés tout au long de cette aventure. Merci mille fois de nous avoir fait l'honneur d'être dans l'atelier Masterchef cette saison. Merci. Merci d'avoir coaché nos candidats, de les avoir accompagnés, conseillés, élevés. Et à très bientôt. Au revoir. Merci. Bravo. Bravo. Chers candidats, chère Clara, cher Marc Amaury, les chefs qui viennent de nous quitter et les jurés ici présents ont voté pour votre entrée, votre plat et votre dessert. Il y avait 45 points à distribuer en tout. Le gagnant ou la gagnante remporte cette épreuve, 26 points contre 19. Et celui ou celle qui remporte et qui marque ces 26 points c'est Marc Amaury. On l'a eu, on l'a eu. On va les pleurer. Marc. Waouh, c'est lourd.
Marc Amaury Masterchef 2022. Tu as aussi le tablier Masterchef. Essaye de le soulever. Allez, à mon tête. J'ai du mal à parler. Ouais, je pense à ma maman, je pense à ma sœur, je pense à ma femme, à ma petite et à mes amis. Ouais, ils vont être fiers de moi, je pense. Ah oui, comment on est dit là ! Je suis assez ému, c'est pas... Merci. Merci, merci pour toute cette aventure. Merci à tous les copains, les amis que je me suis fait pendant cette saison. Parce que voilà, c'est tout ce que j'en retirais. Merci pour votre confiance. Et puis, merci de m'avoir décerné ce beau trophée. Bravo donc, à toi. Bravo. Très fier. Bravo pour ce beau parcours, Marc Amaury. Merci de nous avoir fait rêver. Merci de nous avoir inspirés aussi à nous. Merci à tous les candidats. Merci au chef. Merci à vous de nous avoir suivis. Bravo, Marc Amaury. Bravo, Marc. Avant de se quitter, pour connaître l'heureuse gagnante ou l'heureux gagnant des 50 000 euros, rendez-vous dans quelques instants sur France TV et vous.fr.